y a 24 ans, on était en France. Là, on se retrouve au milieu de l'océan Pacifique. Dans des conditions extrêmes. Un petit stress. Bonsoir à tous, ce sont les 18 naufragés de Koh-Lanta, ils ont de 19 à 62 ans et c'est l'aventure de leur vie qui commence. Ils ont eu le courage de quitter leur famille pour se mesurer aux éléments et surtout aux autres. Est-ce que tu fais des coups de Trafalgar à droite à gauche? À qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Je me sens trahi. Je n'ai confiance totalement en personne. J'ai toutes les cartes en main. La peur et la souffrance, mais aussi les joies et les amitiés vont transformer ces 18 Français. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, dans ma petite campagne. C'est ici, en Micronésie, dans l'archipel de Palau, au beau milieu du Pacifique, que ces aventuriers vont se découvrir et composer avec ce paradis qui, parfois, se transformera en enfer. Je pensais pas qu'on était aussi dur. Hein. Là, je suis vraiment à bout de souffle. Qui saura tirer son épingle du jeu? Qui saura se faire apprécier de tous? Certains vont se révéler de parfaits Robinson. Tous devront s'adapter à cette nature luxuriante mais hostile. À ces eaux limpides et poissonneuses, ce temple de la vie sous-marine, où le danger n'est jamais loin. Dans ce bleu turquoise, tout témoigne de la vigueur de la nature et du souvenir des hommes. Cet archipel sauvage, ce labyrinthe d'îles, promet bien des mystères et bien des richesses à ces naufragés volontaires. Tous veulent être l'ultime survivant et remporter les 100 000 euros de récompense. Au départ, ils étaient 18. Ce soir, il n'en restera qu'un. De la vérité. Fabienne, Isabelle, Christina et Patrick vont être confrontés à eux seuls. Pour la première fois de l'aventure, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Alors qui sortira grand vainqueur de ce Koh-Lanta Palau, auréolé de gloire et des 100 000 euros? L'argent, c'est l'argent, on veut l'argent, tout le monde veut l'argent. Réponse, ce soir. Patrick a tout fait, tout dit pour en arriver là. Depuis 36 jours, il n'a en tête que cette finale. 5 ans que cet ouvrier des monts de Roan en rêve. J'ai tellement envie de toucher ce poteau depuis des années. Pour lui, jouer c'est gagner. Grand stratège devant l'éternel, Patrick a osé toutes les compromissions pour parvenir à ses fins. C'est une aventure qui est très belle, mais c'est un jeu aussi en même temps. Et un jeu qu'il faut réfléchir. Et ça, les filles le lui ont reproché. Fabienne en tête. Je supporte plus Patrick. Il essaye d'embrouiller tout le monde, de monter tout le monde les uns contre les autres. Cette assistante maternelle des Hauteurs de Grâce est intransigeante, méritante et robuste, mais souvent désespérée. Elle est la première étonnée d'être arrivée jusque-là. Mais cette méridionale est peut-être plus dangereuse qu'il n'y paraît. Une fois, je suis fière puisque je me dis qu'on n'a pas besoin d'être stratège pour arriver là où j'arrive. Pareil pour Christina. Discrète, cette jeune Marseillaise est depuis le début restée dans l'ombre de ses deux aînés, Patrick et Isabelle. Timorée dans la vie, elle s'est révélée combative dans les épreuves et a remporté pas moins de 3 immunités. La victoire pour Christina, bravo! Isabelle ne lâchera pas l'affaire non plus. Cette maman de 2 enfants qui tient un magasin de vêtements en région parisienne veut cette victoire. Je lâcherai rien.
Depuis le début, fidèle à Patrick, elle le suit pas à pas sans jamais se plaindre. Quand même, mon Patrick de Koh-Lanta, mon Jack Poto, comme je dis souvent. Mais voilà, Isabelle a fini par trouver son héros trop inhumain et elle a décidé de lui donner une bonne leçon. Mais moi, je trouve que t'as changé. Je suis déçue. L'aventure n'est pas finie et tout peut changer. Au dernier moment... Ce soir, ça va être chaud. Les femmes ont fait croire à Patrick qu'elles allaient l'éliminer la veille de la finale. Le Rouennais n'a pas caché sa déception. Mais ça me fait chier. Mais c'est pourtant Kader qui est parti. Kader. Payant sûrement ses relations souvent conflictuelles avec les filles. Les derniers rescapés de l'aventure rentrent heureux et soulagés d'avoir atteint la finale à 4 de Koh-Lanta. Voilà les 4 finalistes de Koh-Lanta. On est là. Il n'y a pas t'es avec nous. Hein. Je remercie les bien les filles encore. Je suis dans les 4, c'est trop bon ça. Je veux dire, j'ai cru que j'étais foutu ce soir, mais je suis là, je sais pas comment vous le dire, que je suis heureux. Elles m'ont sauvé. Patrick est sur un petit nuage. Le patron des ex-rouges pensait vraiment ne jamais revenir sur le camp. Il faut dire que son amie Isabelle lui a joué un sacré tour. Je me suis dit une petite leçon pour le faire gamberger, pour le faire prendre conscience et que malgré tout, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Kader. Isabelle m'a failli perdre douter. Je ne savais pas si j'allais partir rester. C'est vrai que j'avais pas les cartes en main. Je ne pouvais pas te dire mon destin ce soir. Mon destin, c'est aujourd'hui, c'était les 3 filles qui avaient le destin de moi en main. En tout cas, ils sont bel et bien les 4 finalistes de Koh-Lanta. Et maintenant, c'est chacun pour soi. Tous sont maîtres de leur destin. Je suis contente de faire partie des 4. Maintenant, c'est à moi de montrer demain ce que je vois à l'orientation pour pouvoir rester dans le trio final. Croise les doigts pour réussir cette épreuve d'orientation. C'est fini les stratégies, que le meilleur gagne, c'est il faut se donner à fond, il n'y a pas de secret. Hein. On ne perd pas de temps, on y va. Tout sourit aux 4 derniers naufragés. Du coup, pétri d'optimisme, il s'installe hors de la grotte, sur le camp, pour apprécier cette nuit si particulière, la première de la grande finale. Ça y est, retour au bercail. On réintègre le camp et j'espère vraiment qu'on va bien passer une bonne nuit parce qu'on est quand même fatigués. On est 4 fois moins qu'au départ. Ça a été plutôt notre camp à nous les jeunes. Donc c'est vrai que c'est un peu dur d'être la seule jeune. Mais j'espère en tous les cas être la digne représentante des jeunes. C'est tout ce que j'espère pour demain pour leur rendre hommage à tous. Les aventuriers se couchent apaisés, mais pas sereins pour autant. Tous le savent, demain, c'est la terrible épreuve de l'orientation qui les attend. Et bonne nuit les blancs. Bonne nuit. À demain. À demain. Mais décidément à Palau, le ciel ne veut pas laisser les naufragés en paix. La saison des pluies approche et c'est un véritable déluge qui s'abat sur le camp. C'est en urgence et dans le noir que les 4 finalistes doivent rejoindre la grotte. Ce qui tombe là, on serait inondé. Donc on a vraiment bien fait de partir, de la partir tout de suite. Là, retour à la case départ, hein, on revient à la grotte. C'est pas l'orage qui va me casser le moral. Ça va me faire baisser les bras. C'est l'aube d'un jour fatidique. La terrible épreuve de l'orientation éliminera l'un de ces 4 survivants de Koh-Lanta, une aventure qui marque autant les esprits que les corps. Vous savez quoi? On va découvrir les hommes de Cro-Magnon, on y voit. J'ai peur. Vas-y, après toi. Christina, regarde-toi. La tête. Et mon visage, il est tout petit. J'ai plus de joues. Plus de fesses. Là, j'ai perdu facile 6-7 kilos, je sais pas. C'est impressionnant, ces sourcils comme ils sont gros. Dans la vie tous les jours, je sors toujours tirée aux 4 épingles, toujours maquillée, aucun poil en trop. Et puis là, j'ai la touffe sous les bras, aucune forme, c'est horrible, plus de muscles. Après le 37e jour d'aventure, on a pris un coup, quoi. Ah oui, en effet. J'ai pris un coup de vieux, je trouve. Le visage, c'est impressionnant. Ouais. Non, mon visage, c'est très... Ah oui, j'ai maigri. Ah là là, j'ai maigri. J'ai plus de poitrine. Je crois que j'ai retrouvé mon ventre il y a
il y a 15 ans, je pense. Oh, c'est impressionnant de voir la métamorphose en 40 jours. Ça fait un choc. Oh putain. Ce qui me choque le plus, c'est le visage et les cheveux. Le visage marqué, encore plus marqué qu'avant. On a les dents bien pourries, on est plein de crasse. Les cheveux, minables. Je pensais que j'avais perdu plus, j'ai pas perdu. On est là. C'est celle qui a mangé le moins, c'est moi qui ai perdu le moins. Oh, oh putain, c'est trop moche. Oh, c'est trop moche. Oh là là. Qu'est-ce que Dieu le père, l'ancien. Oh, c'est impressionnant. Mes cheveux ont poussé. Oh, mais je prends les cheveux blancs en plein là-haut. Oh là, ça fait peur. À passer ton temps à réfléchir aux stratégies, aux bons choix qu'il fallait faire, ça donne des cheveux blancs. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Koh-Lanta. Koh-Lanta, le meilleur régime que je connaisse. Je suis content, j'ai massif. Patrick, vas-y. Fais-nous ton défilé de mode. Ah ouais, c'est... Voilà les gars. Oh yeah. Ouais, yeah, nice. Ouais, vas-y, cours, Patrick. Show, show. Allez, ouais. on commence à le coup avec la tête, tu ressembles à un coq. Mais vas-y, défoule-toi, Patrick. Allez, défoule-toi. On l'encourageait à sauter, danser, se bouger, il sera un peu plus fatigué pour l'orientation. Ça nous laisse une chance de plus. Patrick est euphorique d'avoir retrouvé un corps de jouvenceau. En revanche, Kader est morose. Lui va retrouver la civilisation, ou en tout cas, les autres membres du jury. Le responsable de sécurité digère très mal son élimination aux portes de la finale. Assez déçu dans le sens que c'est trahison qui me reste un peu... Voilà quoi. Fabienne Unejaune qui a pris ma place, ça me gêne un peu. Puis en même temps, je me dis à Coalition des filles. Voilà, c'était évident. Si j'avais été sous le carré final, j'avais eu beaucoup de chance de gagner sur les poteaux. C'est ce qui me gêne, quoi. J'ai un peu ce sentiment amer par rapport à ça. On m'a enlevé quand même, entre parenthèses, une victoire. On s'attend à voir arriver une fille, de toute façon. Oui, voilà. Enfin, c'est, on va dire, le plus probable. Oh, Kader ! Oh ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es fait trahir ou bien c'était une stratégie ? Non, coalition des filles. Ils t'ont mis un nickel. Non. Ah, si, trois filles, deux gars, fallait bien qu'il y ait un gars. Trois filles, deux gars. Effectivement, surprise. Hein. Là, c'était, ah ouais, vous attendiez pas du tout. Ah, vous êtes pas dit trois filles, deux gars, ils vont ouf. Ouais, c'est peut-être ce qu'ils t'ont fait croire. Enfin, je suis ravi surtout pour Fabienne. Il y a une justice. Tous ceux qui ont fait des alliances, des manigances d'ici et là, ça se retourne plus ou moins contre eux. Kader, lui, bah, il a un peu ce qu'il mérite. Et je pense que Patrick ne devrait pas tarder à suivre. Je sais pas qui c'est qui va sortir de l'orientation. Mais Patrick, c'est le prochain. Non, tu te trompes. C'est un bonnet, les gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'exagères. Mais c'est un bonnet. Non, pas en orientation. Mais arrête. Non, pas en orientation. Sur les poteaux, il a perdu. Mais en orientation, attention. Kader, trahi par ses alliées féminines rouges, c'est une nouvelle qui ravit les membres du jury final. Ils espèrent beaucoup de Fabienne lors de l'épreuve d'orientation. Message et fille, message. D'ailleurs, sur le camp, la bouteille apportant la fatidique missive vient de s'échouer sur la plage. Chacun d'entre vous est maintenant seul sur le chemin de la gloire. Choisissez le bon, ne vous trompez pas de sens. C'est la première fois où je pars sur une épreuve avec la boule au ventre. C'est l'épreuve à ne pas louper et c'est l'épreuve fatidique, quoi, avant d'accéder au poteau. Là, on est tout seul face à notre destin, c'est sûr. C'est hyper, hyper important pour toucher les poteaux. Moi, ça fait 5 ans que je vais toucher ces poteaux. J'aimerais le toucher. L'angoisse est palpable et le sang-froid devra être de rigueur. En bon samaritain qu'il est désormais, Patrick entame un cours de maniement de la boussole, au risque de se faire doubler par ses élèves lors de l'épreuve. Automatiquement, ta plage va vers le nord. Après, il peut te dire nord-nord-est. Donc le nord-nord-est est... légèrement sur la droite. C'est là. Logique, c'est à l'est du nord. Voilà. Et après, il y a sud-sud-est qui est là. Je suis un bon joueur. Je leur donnais le minimum que je connaissais. Après... je sais pas la distance, c'est peut-être 2 bornes, il y a peut-être 10 km, c'est peut-être jusqu'au soir on cherche, on sait rien, je veux dire. En principe, j'ai un bon sens de l'orientation. Mais ça veut rien dire, hein. Là, c'est vraiment au petit bonheur la chance. On peut passer 20 fois devant la chose que l'on cherche sans la voir. Fabienne, je me méfie un peu parce qu'elle a toujours dit que c'était une épreuve. Soi-disant, elle n'a jamais vu une loupe de sa vie, et comme par hasard, c'est de la folle pour elle. Et je suis persuadé que Christina cache son jeu.
Elle va très fort. Elle voit déjà les 100 000, ils sont déjà sur le poteau final. Bon. Je vais avantager Isabelle, j'ai envie de donner quelques astuces et pas les donner aux deux autres filles. Ah, le stratège n'a pas complètement disparu. À quelques minutes du départ, le Rouennais prend sa protégée à part. Isabelle, donc, je vais pas te le dire. Tu regardes, t'as boussole, t'as le capot qui se lève. T'as un gros capot que t'enlèves, il y a une petite fente au milieu. D'accord ? La petite loupe, ça te permet de voir le degré et en même temps l'axe. Si c'est que t'as... Tu peux m'aider avec ça ? Voilà, tu te repères ce degré. C'est le droit chemin. Ah, en tous les cas, je suis pas toute seule. Mais garde bien ce degré. C'est peut-être la première épreuve où j'ai pris la photo de mes enfants. Ouais, mais laisse faire, ça va y aller, Lisa. J'ai confiance, moi. Et pour avoir confiance, pour partir, libère-toi, père zen. C'est la première fois qu'on fait une épreuve où on est tous séparés, donc... J'aime pas trop la solitude, donc ouais. J'ai l'impression de les avoir avec moi. Je suis la dernière jeune et je suis émue. J'espère que je vais pas me foirer, leur faire honneur, qu'ils soient pas partis pour rien. Je suis stressée, j'ai très peur. Il faut vraiment que je me ressaisisse rapidement parce que ça va pas le faire. Il faudrait que je perde mes moyens avant de commencer cette épreuve. Bonjour à tous. Bonjour Denis. D'habitude, l'objectif c'est de gagner. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas être le dernier. Car le dernier de cette épreuve d'orientation quittera brutalement l'aventure, sans connaître la dernière épreuve, sans avoir l'espoir d'être l'ultime survivant. Vous allez devoir découvrir des nautiles comme celui-ci, des coquillages qui vivent en eau profonde. Le problème c'est que vous êtes quatre et qu'il y a trois nautiles. Et que par conséquent, l'un d'entre vous ne parviendra pas à revenir ici devant moi avec un nautile comme celui-ci. Je vais vous donner à tous une carte et une boussole. Merci. Vous avez tous la même carte et la même boussole. Christina et Patrick, il va falloir trouver un repère. Il y en a trois. Une liane, un rocher faille et un arbre à quatre troncs. Une fois que vous avez trouvé votre repère, dans un rayon de 25 pas, vous allez trouver une balise, une distance et une couleur. La couleur correspond à une direction. Et pour savoir quelle direction, il va falloir regarder la table d'orientation qui se trouve là-bas. Vous pouvez tous être l'ultime survivant, mais ça passe par la réussite de cette épreuve. Vous êtes prêts ? Oui. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti ! Première étape, se repérer. Les quatre aventuriers se dirigent vers la table d'orientation pour situer les arbres repères sur l'île. Ouais, deux troncs bleus. L'arbre liane est au nord-est. L'arbre à quatre troncs au centre. Et le rocher faille au sud-est. L'île fait à peu près 6 km², la végétation est dense, pourtant il faut se dépêcher. Je cherche nord-est, l'arbre à quatre troncs. J'essaie de trouver la liane, l'arbre à quatre troncs. J'ai l'impression que c'est celui-là, quatre troncs. Il est ressemble, mais à la photo, ça fait 1, 2, 3 et un tronc en large. J'en sais rien, je n'arrive même pas à me repérer. Putain, alors si je craque maintenant, c'est pas la peine. Christina est déjà prise de panique. Le dessin n'est pas ressemblant. Ce n'est pas le bon arbre car le tronc devrait être couché par terre. C'est pas ça. Ah putain, je sais pas ce que je cherche. Faut mieux prendre son temps. Le nord est là-bas. Donc je vais mettre au nord. Donc le nord est là. Donc c'est plus par là, putain. Je pense que je suis par ici. J'ai descendu en fait, j'ai suivi. Par contre, ça, la réglée, moi j'y connais rien. C'est un peu mon souci. Donc là, j'ai le nord à ma droite, le sud droit devant. Eh bien, bizarrement, personne n'est à l'aise avec une boussole en main. Pourtant, c'est d'une simplicité biblique. La flèche indique le nord. Mais c'est quoi cette boussole? Elle bouge dans tous les sens. Il est où le nord? Il faudrait que j'ai un peu de chance et que je tombe nez à nez avec un de ces trois repères, c'est tout. Est-ce que ça pourrait être l'arbre à quatre troncs? Ça fait 1, 2... Et le tronc, ça pourrait être ça. Isabelle est devant l'arbre observé par Christina tout à l'heure. Elle se persuade que c'est le bon arbre et se met donc en quête de la balise. Une recherche vouée à l'échec. Je vais essayer de chercher la balise. C'est pas mon point fort, la boussole, alors je me sens très mal. Mais faut pas que je panique. L'arbre à quatre troncs, c'est pas ça. Je repars par là. Il y a une liane là. Il ressemble à celui-là.
Je sais pas si ça fait vraiment la boucle comme le dessin précis. Il ressemble, mais c'est pas fait pareil. Mais ça fait pas la boucle. Donc, juste tombé dessus. Y a rien ici. Je suis en train de merder, mais grave, ils se ressemblent tous, ces arbres. Ils se ressemblent tous, ces putains d'herbes. Bon, là, on va dire que je suis un peu paumé. Ouais, ça y est, là, je suis perdu. Je suis un peu paumé. Déjà trois quarts d'heure de recherche, d'errance dans la forêt. Les naufragés divagent presque au hasard entre les arbres. Serge, te calme, Abby. Je vais n'importe où. J'arrive pas à me diriger. Je sais même pas où aller, en fait. Là, regarde. Ouais, si tu cherches celui-là, nord-est, c'est vers là. J'ai pas trouvé. Celui-là, c'est quoi, les rochers failles? Ah non, j'ai cru que c'était l'arbre à tronc. Mais non, il est en haut. Celui-là, c'est l'arbre à... Donc, rocher failles? En haut, ouais. Comme une con, je cherchais l'arbre à quatre troncs. Moi, depuis, je cherche l'arbre. Bon, je repars, alors. C'est la bérésina. Prise de stress, les filles confondent tout, et les directions, et les arbres concernés. Où elle est, cette valise? Si ça se trouve, je perds mon temps et c'est pas le bon arbre. Pour moi, c'est cet arbre. 1, 2, 3, 4, ça peut être que celui-là. Je suis bon, je sais pas ramener ici, ça peut être que celui-là. Dieu. Isabelle persiste, à mauvais escient, puisque cet arbre n'est pas le bon. Bonjour. T'as trouvé, femme? Eh non. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu penses que quoi? Celui qui est en haut, c'est le rocher faille. Ouais, c'est à l'est, là, non? Ah non, c'est au milieu. L'est, il est là. Là, c'est le nord. D'accord, ok, ouais, ouais. Là, c'est le centre. Et en bas, c'est sud. Sinon, je me casse au sud. T'as trouvé quelque chose, Patrick? Non, rien. On est tous au même endroit. T'as pas trouvé la roche, Fabienne? Rien du tout. On est des bœufs. Je désespère pas, je vais le trouver, ce putain d'arbre. Moi, je vais repartir, ça met pas. Donc, je retourne vers Denis. Je crois que je vais retourner près de Denis, vérifier exactement. Je vais regarder si ça correspond bien à ce qu'on a vu. Tu vas là chez Denis aussi? Ouais, quelle galère. C'est la confusion la plus totale. Ils sont trois à retourner vers la table d'orientation. Ils ne parviennent pas à trouver les arbres repères. Seule Christina s'obstine dans la forêt. Si je vais tout au sud, il y a la liane. Je commence à stresser parce que j'aimerais bien trouver ce repère au plus vite. Si j'arrive la dernière, ça va pas le faire. Je recommence du début parce que... Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Bah, je préfère recommencer du début. Vous êtes perdu? Ouais. Vous avez une boussole, vous avez une carte. Bon. Vous croyez être allé où? Là. J'en ai vu des lianes, des arbres à lianes, mais ça tournait, mais pas comme le dessin. Donc je pense que c'est pas bon. Vous savez vous servir d'une boussole? Ouais, on va dire un minimum. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Je vais m'identifier au plan pour savoir exactement où je me situe. Allez-y. Alors? Calme-nous, il cherchait la liane là, alors que c'était le rocher faille. En bas, c'était la roche, là où on a été. Non, où on était, nous, tout à l'heure, c'était l'arbre à liane. Et là où j'étais, c'était pas l'arbre à liane. Quelle truffe, alors. Fabienne? Oui. Vous cherchez quel repère? Je cherchais l'arbre à liane depuis tout à l'heure. Et vous changez? Oui, je vais chercher le rocher. C'est 30-40 degrés est. Tu... Ok, je t'ai dit, ok. 30-40 degrés est, d'accord. Et tu dis pas aux autres? Non. Patrick donne un précieux conseil à Isabelle. C'est entre 30 et 40 degrés est. Je suis formel. Donc, je pars sur la bonne voie. L'observation attentive de la carte les a aidés. Il va pas m'énerver. Christina, elle, est restée au sud de l'île à la recherche de l'arbre liane qui, en fait, se trouve au nord. C'est en bord de mer, c'est au sud et j'y suis au sud, là. Le sud est en face, l'est est là, à ma gauche. Pourtant, l'est, c'est tout le temps à droite, non? Et on avait tout faux, hein? T'as été revoir la carte? Quoi, non? Tu cherches quoi, là? L'arbre à liane. Ici, au sud-est, c'est pas ça. J'ai été vérifiée. Dis-moi. Écoute, c'est... regarde. C'est quoi ça ici? Ça, c'est le rocher faille. On avait tout faux. Depuis tout à l'heure, je cherche le mauvais indice. J'ai envie de pleurer rien pour relâcher la pression là parce que. Ça me saoule. J'ai pas envie de perdre. Eh, panique pas, personne n'a trouvé. Hein. Faut que je retourne, je suis passée par là. Je suis complètement à côté de la plaque. Il est où mon arbre? Qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce qui t'a pris là? Il est où mon arbre? Ah, j'en ai marre. Pour moi, je suis dans la bonne direction. Après, je veux dire, si je trouve pas là, c'est que je suis pas un dieu de boussole, c'est clair. Je mets un peu de temps. Ça peut être par là. Oh putain. Bouge. Ah, Patrick a été efficace. Il vient de trouver l'arbre à liane. Je peux pas gueuler là parce que j'ai trouvé déjà l'arbre. J'ai pas envie de soupçonner les autres, je sais pas où ils sont, j'ai pas envie qu'ils écoutent et qu'ils viennent vers moi.
Dans un rayon de 25 pas est cachée la balise sur laquelle est inscrite la position du coquillage à rapporter. Donc je suis à peu près dans les 25 pas. Patrick est méthodique. En revanche, du côté des filles, c'est l'affolement. Oh, mon arbre. Oh là là, je crois que je vais tout perdre. Ça me met les nerfs. Je suis complètement paumée. Je me donne une demi-heure et j'abandonne. Et puis je rentre chez moi. C'est en train de me saouler. Je crois que je vais abandonner. J'en ai marre. Putain, il y a des toiles d'araignées partout. Je trouve plus mon arbre. Mais qu'est-ce que je fous ici? Je sais même plus où je suis. Je suis conne, je suis vraiment qu'une conne. Putain, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Isabelle est totalement perdue. Elle erre comme une âme en peine, à la recherche de son arbre. Mais le dommage est nul, puisque de toute façon, ce n'était pas le bon. Il faut vraiment être conne. Il faut vraiment être une grosse conne comme moi, là, pour faire des trucs pareils. J'en ai marre. Je sais même pas où il est, mon arbre. De toute façon, c'est même pas l'arbre, en plus. C'est celui-là, même. Bah oui, c'est ça. Oh, putain, c'est ça. Sans faire exprès, en cherchant l'autre que je ne trouvais pas, je crois que je suis arrivée sur le vrai. Alors là, ma cocotte. Effectivement, la chance sourit à Isabelle. C'est bien l'arbre à quatre troncs. Oh, putain, c'est ça. Maintenant, il faut que je trouve ce... valise. Elle cherche maintenant sa valise. Et pouvoir me qualifier, j'espère, pour la finale. Je vais faire secteur par secteur. Là, j'ai pas trop regardé. Hop. Le Rouennais déniche la balise avec la précieuse indication 22 pas, couleur verte. Pour savoir à quoi le vert correspond, Patrick se rue vers la table d'orientation. Qu'est-ce qui vous ramène ici, Patrick? Le vert, 22 pas. Donc nord-ouest. 22 pas. Nord-ouest. Couleur verte, nord-ouest. Nord-ouest, 22 pas, je vais me poser dessus. Denis, vous êtes qualifié. Belle longueur d'avance pour le teinturier qui devrait bien vite avoir son coquillage. Putain, mais ça serait vers là, d'après moi. Et j'ai l'impression d'être dans le périmètre, là, mais... il n'y a pas de faille dans ce rocher. Oh, putain. C'est ça. C'est ça. De là, je dois faire 25 pas et trouver la balise. Oh, putain, allez, rien n'est perdu, Christina. Christina a enfin trouvé son repère. Elle se met à chercher sa balise, comme Isabelle. Je l'ai trouvé. Alors, je suis pas sûre, je crois que c'est sud-ouest. Je dois faire 19 pas à partir de là. J'y vais. Nord-ouest, 22 pas. Oh, j'ai failli. Sud-est, c'est là. Mais je vois pas de rocher. Je crois que ça va être le pif, hein, celui qui le trouve. Hein. Putain, il va bien tout près. Putain, la balise, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 25 pas, 25 pas. Allez, il me faut un peu de chance, là. Il faut que je trouve. Je trouve absolument. Allez, bon Dieu, sois avec moi, bon Dieu, sois avec moi. Maman, je pense à toi. Je sais pas s'il faut chercher par terre, en l'air. Oh, putain! Incroyable! Sans même passer par la balise, la jeune Marseillaise est tombée sur son Nautile. Le hasard ou le destin vient de la propulser sur les poteaux. J'ai ma place parmi les trois finalistes. Oh, putain, merci, mon Dieu. C'est le Nautile. Placez-le. Christina, vous êtes la première qualifiée pour l'épreuve des poteaux et vous pouvez toujours espérer être l'ultime survivante. J'ai un coup de chance. Pourquoi? Parce que j'ai même pas trouvé la balise. C'est pas vrai. J'ai trouvé directement. Sans passer par la balise? Coup de chance, merci. Ah, je suis contente. J'étais au bord, à la limite de craquer, là. Mais j'aurais pas baissé les bras tant qu'il y aurait pas eu de coup de... On peut le faire? Je peux le faire? Allez-y, là. Putain, merde, merde, perdre là, ça me fait chier. Quelqu'un a trouvé. Ça doit être Patrick. Ça me fait chier. Ça me gaffe, putain. Fabienne, viens vite. Cherche pas le rocher faille. Pourquoi? Je l'ai trouvé. Retourne vers là-bas. Ils sont tous les deux presque côte à côte en train de fouiller. Allez, s'il te plaît, Fabienne, allez. Fabienne n'a pas le choix. Elle doit se greffer soit sur Patrick, soit sur Isabelle. Mais je désespère pas, je vais le trouver. Aujourd'hui, j'ai pas le droit à l'échec. C'est là que cherche Patrick, donc je cherche aux alentours de où il cherche. C'est foutu.
Je suis à la trace. Fabienne essaye de shipper à Patrick son Nautile. Sa vieille rancœur envers le patron des Rouges est encore vivace. Les deux aventuriers sont tendus comme des arbalètes. Je sais pas du tout où est son arme, mais je suis. Putain, Koh-Lanta va s'arrêter aujourd'hui. Putain, ça me fait chier. Perdre là, putain, j'ai rien les boules. 5 ans, je vous laisse Koh-Lanta. C'est perdu. Putain, j'ai fouillé. T'avais lu, Fabienne, toi, où c'était ? Hein ? T'avais lu ? Ouais. Ça te disait quoi ? Ah, bah, cherche. C'est pas comme si j'avais rien fait. Hein. Et 15 pas, tu les as bien fait, tes 15 pas ? Ouais. Vous fêtez pas, hein ? Je voudrais bien qu'elle refasse ses pas. Lisa aussi, elle a l'air de galérer. J'en ai marre. La nuit va tomber et je vais me retrouver encore ici. En plus, je suis toute seule. Bonne à rien, voilà ce que je suis. Cela fait 3 heures que les recherches ont commencé. Les nerfs d'Isabelle sont usés. Démoralisée et encore démoralisée. Je suis sûre que tu m'as maudit, Kader. Tu l'as tellement voulu que j'y arrive pas, que je vais pas y arriver. Tu m'as maudit. J'ai passé tellement de vent que je vois pas. C'est foutu, là, j'ai tout ratissé. J'ai tout fait. Tu as dessus nos yeux. Je comprends pas, j'ai trop faim. Putain, est-ce qu'on entend jouer les poteaux, merde. Putain, c'est gros en plus. Enfin, c'est fou. Putain, ça me gonfle. Je pense qu'elle n'est pas arrivée. Oh putain. Oh putain. Tu l'as trouvé. Tant mieux. Tu voulais t'aider. T'as regardé combien de fois, putain, là ? Putain, j'ai regardé 10 fois, ouais. Mes couilles. Lisa, t'as trouvé ? J'en ai marre, j'en ai marre. Isabelle ? T'as trouvé ? T'étais où, là ? T'étais où ? T'as trouvé ? T'étais où ? Je suis pas. Ta mère, il a réussi. Cherche bien, Isa. Moi, j'ai regardé 10 fois où il a trouvé. C'est dur. Ça me fait chier quand ça pleure. C'est Kader, il va porter la guine. C'est je qui va porter la guine. Il reste encore un truc, Isa. Pleure pas, Isa, cherche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Pourquoi ? Fais chier, tout ça. Pourquoi je peux pas le trouver, moi ? Pourquoi j'ai pas le droit à ma finale ? Ah ! Enfin le Nautile. Placez-le. Ça vous donne le droit de participer à l'épreuve des poteaux demain. Je suis en finale. Même si ça va être très dur, Christine va être très forte. Mais je vais les embrasser, ces poteaux. Je vais leur faire la bise avant de monter dessus, c'est l'essentiel. Il reste à savoir qui sera le 3e à vous accompagner. Soit Fabienne, soit Isabelle. Je vais les prévenir toutes les deux que vous venez de trouver. J'ai tout fait, tout ça. Fabienne, je l'ai. Kader, tu m'auras failli, Kader. Je l'ai. Restez debout, Isabelle. Allez le placer. Comme quoi, il y a des gens qui sont chanceux, d'autres qui sont un peu moins. Je te jure. Pourtant, vous êtes passé tout près, hein, de ce Nautile. 10 fois, j'ai regardé dans le trou, il est allé une 11e fois. Il y a des gens qui sont chanceux, d'autres moins. Je suis heureuse en amour, on peut pas être heureuse partout. Hein. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Je sais pas, j'ai cherché partout, j'ai tout déraciné. Déjà le rocher, j'ai pas trouvé. Je me suis surpassée, même si ça n'a pas été concluant. Et puis voilà, ça a été pour moi la meilleure des aventures. Donc c'est pas grave. Mais quand je dis c'est pas grave, c'est vrai, je suis déçue. Bah, comme n'importe qui serait déçu de finir 4e. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez fait ? Ouais, je pense que je suis fière de ce que j'ai fait, oui. Et je pense que mes proches seront fiers de ce que j'ai fait aussi. C'est l'essentiel. Pour vous, c'est terminé. Mm-hmm. Cette 4e place vous condamne. Maintenant, à partir. Bah, je vous souhaite à tous les 3 bonne chance et que le meilleur gagne. Ciao. Ciao, Isabelle. Ciao. Prenez votre sac. Au revoir. Ciao, Fabienne. Patrick, Christina et Isabelle, vous êtes les 3 derniers survivants de Koh-Lanta. Et demain, vous allez vous départager sur les poteaux. Épreuve de patience, épreuve que vous connaissez parfaitement. La route est encore longue. Belle soirée à vous et à demain sur les poteaux. Merci, à demain.
Les trois survivants de Koh-Lanta sont heureux et surtout soulagés d'avoir survécu au stress de l'épreuve d'orientation. Je suis très très fière de faire partie du trio et d'être avec les gens que j'ai le plus apprécié pendant cette aventure. Là, c'est la plus belle victoire. Ouais. La plus belle victoire est à aujourd'hui. Allez, on perd pas de temps. Je vais de suite à manger. Hein. Ouais. Grande fierté, grande victoire. Un petit peu déçu quand j'ai vu Patrick arriver en deuxième position, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on mérite tous les trois et faut pas oublier que ouais, on est trois rouges, donc c'est beau, forcément. Bon appétit. Merci. J'ai passé une épreuve très difficile. C'est sûr que Patrick, je lui dois énormément parce que je pense qu'il n'aurait pas été là, j'aurais baissé les bras et je serais vraiment pas arrivée. Isabelle et Patrick ont fait cause commune depuis le début. Demain, ils s'affronteront sur les mythiques poteaux. Reste à savoir si leur alliance va perdurer face au choix à faire. Si l'un gagnait les poteaux, prendrait-il forcément l'autre pour se présenter devant le jury final? Si jamais j'arrive à gagner sur les poteaux, c'est Isabelle que je prends d'office sans discuter. Je pense que mon choix se tournera vers Patrick. Donc en gros, si c'est Patrick ou Isaac qui gagne, je me serais choisie dans aucun cas, quoi. Il faut que je remporte cette épreuve de poteau, il faut que je tombe la dernière pour moi-même choisir qui je veux mener en finale. J'espère vraiment que voilà, ce qui m'a porté chance aujourd'hui, cette étoile bienveillante m'accompagnera également demain, quoi. Christina le sait, elle se doit de remporter la difficile épreuve des poteaux. La petite Marseillaise s'endort le cœur lourd. C'est le 38e lever pour les naufragés. Le dénouement approche. Dans quelques heures, ils connaîtront les deux finalistes. Il faut prendre des forces pour affronter les poteaux. Bon crabe. Bonjour à tous les trois. Bonjour Marie. Comment ça va? Bah ça se passe pas trop mal ce matin, on va dire. On est heureux. On est heureux. On a le sourire et on mange bien. Vous savez que vous êtes à quelques minutes seulement maintenant de votre dernière épreuve, cette fameuse et mythique épreuve des poteaux. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse tous ensemble un petit bilan de cette aventure. Venez avec moi. Tous les trois, vous êtes les finalistes et l'un d'entre vous va être l'ultime survivant de Koh-Lanta. Christina, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très très fière, un petit peu du mal à réaliser, mais il le faut quoi, parce qu'on y est, donc faut avoir la tête sur les épaules et vraiment apprécier les moments qu'on vit en ce moment, ces derniers moments. Patrick, vous en avez rêvé de Koh-Lanta avant d'y participer? Pour les mois enfants. Mon premier rêve, c'était gagner l'auto, deuxième, c'était Koh-Lanta. J'ai eu mon rêve, je suis à Koh-Lanta, je suis en finale, ça peut pas être plus beau. Isabelle, est-ce que vous êtes aussi heureuse que les Patrick aujourd'hui? Aussi heureuse, ça c'est sûr. En plus, me retrouver en finale avec Patrick et Christina, c'est vrai que je l'ai souvent revendiqué, que c'était les personnes en qui j'avais le plus confiance. J'ai eu l'impression que mon vœu s'est un peu exaucé. Je crois toujours en ma bonne étoile, j'ai un ange gardien. Voilà, je l'ai souvent appelé. C'est vrai que ça a été une aventure très dure, mais pleine de bonnes choses. Est-ce que vous êtes plus forte aujourd'hui qu'en arrivant sur Koh-Lanta? Je suis plus forte dans ma tête, mentalement, et je pense que je le prouverai en rentrant dès que je me retrouverai près de mes proches, mais je ne veux plus souffrir, j'ai envie de vivre ma vie, d'être sereine et de faire les bons choix. Patrick, qu'est-ce que vous en retirez de Koh-Lanta? C'est des preuves formidables, je veux dire, c'est des moments de galère, de joie. À Koh-Lanta, c'est vraiment très dur, la faim, les épreuves, la stratégie aussi qui était dure forcément des fois. Est-ce que vous vous êtes servi de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, fils d'agriculteur? Ouais, donc ça m'a servi. Ça m'a servi à tenir. D'avoir un bon mental, être fort, à vouloir aller plus loin. Parce que mon père était dur, mais les qualités qu'il nous a apprises, c'est à bosser. Oh, viens, il gueulait, il tapait le marché-balai, il y a du boulot. À 10 ans,
Tout le monde s'amusait à nous prendre des traiteurs, on a un boulot. On faisait que bosser, on coupait des chardons toute la journée, on bossait. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, hein, je regrette pas. C'est une grosse qualité en réalité qu'il nous a appris. Mon père, ma mère, je les remercie de ce côté-là, du fond du cœur. Comme ils nous ont élevés, je sais pas si je serai là jusqu'au bout. Pour moi, les réussites de Koh-Lanta viennent de cette réussite à la dure. Vous êtes fier de vous ? Ouais, je suis fier. Christina, qu'est-ce que ça vous a apporté, Koh-Lanta ? Plus de confiance en moi, plus d'assurance. Je me sens encore plus forte. Je ferai tout pour avancer davantage. Et dans tous les cas, ouais, les galères restent derrière. Et j'espère que de belles choses vont s'ouvrir à moi. En tout cas, vous êtes tous les trois des aventuriers. Vous méritez votre place ici en finale avant cette dernière épreuve. Dans quelques minutes, vous serez face à moi, chacun sur votre poteau. Et croyez-moi, si vous voulez gagner, il va falloir repousser très très loin vos limites. Si vous êtes là, c'est que vous pouvez gagner les poteaux. À tout à l'heure. Allez les rouges. Bonne chance à quel tous. Meilleur bonne gagne chance, ouais. À tous. Ouais. Hein. Et puis on y croit. Hein. Ben ouais, il faut y croire. C'est dur. Ça y est, vous y êtes. Elle est là devant vous, cette mythique, cette extraordinaire épreuve des poteaux. Vous allez devoir faire preuve de patience, d'abnégation, de courage, de volonté pour espérer l'emporter. Être l'ultime survivant, c'est votre objectif à tous les trois. Mais pour être sûr d'accéder à la finale, pour être sûr d'affronter le jury final, il faut impérativement gagner cette épreuve des poteaux. Car celui ou celle qui l'emporte choisit parmi les deux autres celui ou celle qui l'accompagnera en finale. Est-ce que vous êtes prêt à vous dépasser comme jamais dans toute votre existence ? Oui. Il faut y aller, vous ne pouvez plus reculer. Les poteaux vous attendent, allez-y. Allez. J'ai tellement peur. Christina, Isabelle, Patrick, bonne chance. Et n'oubliez pas que pour être assuré de participer au conseil final, il faut gagner. Top, c'est parti. C'est une épreuve de longue haleine qui commence. En apparence, le défi est simple. Rester planté sur ses poteaux au milieu du magnifique lagon de Néremong. Le décor est idyllique, mais le soleil de plomb. Les reflets sur les eaux cristallines et les à-coups des vagues vont s'unir pour accabler les aventuriers. Votre défi a commencé il y a 10 minutes maintenant. Patrick, comment vous sentez-vous ? Ça va. Ce poteau, ça fait 5 ans que je l'attends, je l'ai. Donc, je compte pas descendre tout de suite. Vous êtes prêt à rester des heures ? Des heures, c'est un grand mot, mais le maximum. Isabelle, comment vous sentez-vous ? Je me sens bien. Je suis heureuse aussi d'être sur ce poteau. Je vais me battre comme j'ai fait dès le premier jour de l'aventure. Christina, comment ça va ? Ça va bien. Je fais le vide dans ma tête, je pense à rien. Concentrée au maximum. Allez, bon courage à tous les trois. Ça ne fait que 10 minutes. Et pour gagner, il faudra tenir beaucoup, beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on va prendre une douche. Tu crois ? Il ne manquait plus que ça, l'orage. Vous êtes en équilibre sur vos poteaux depuis une demi-heure.
Mais les choses vont sans doute se compliquer à cause de la pluie tropicale qui se dirige directement vers vous. Soyez attentifs, concentrés pour rester debout sur les poteaux. Dans cette zone tropicale, le temps peut changer très rapidement. La chaleur des eaux, combinée à une masse d'air froid, provoque des pluies aussi soudaines que diluviennes. Le vent et la pluie fouettent violemment les visages des naufragés. Il leur faut bien du courage et de la détermination pour rester de marbre. Le jeu de l'épreuve les a fait tenir et comme souvent après la pluie, vient le beau temps. Déjà trois quarts d'heure et les premiers signes de fatigue apparaissent. Les pieds surtout qui commencent à s'ankyloser. Voilà, on vient de passer le cap de la première heure dans cette épreuve des poteaux et ça va se durcir. Votre plateforme va être réduite d'un tiers. Je vais vous demander de prendre le petit fil qui vous permettra d'enlever la partie avant. Attention, soyez vigilants. Allez, Christina. Faut tirer un petit coup sec. Top. Merde. C'est terminé pour Isabelle. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle? Je sais pas, je peux pas faire marche arrière. Si ouais. Je pouvais, j'y retournerais et je recommencerais. Comprends. J'ai fait l'erreur, je la paye. Je peux pas me refaire, je peux pas y retourner. Déçu ? Très déçu. Très très déçu. C'est pas totalement terminé pour vous, vous le savez, je Isabelle. Sais, oui. Je sais, mais bon. C'est le gagnant qui choisira son finaliste et vous pouvez être l'un de ceux-là. Oui, mais je suis pas la gagnante. Ah, ça, vous ne gagnerez pas les poteaux, c'est une certitude. Ils ne sont plus que deux à s'affronter sur ces poteaux du bout du monde. La frêle Christina et le solide Patrick. La jeune femme a l'air en difficulté. Elle est courbée. Sa position est forcément douloureuse. Alors que le forésien est droit comme un i. Christina est en fâcheuse posture. Pourtant, la jeune femme ne perd pas espoir et veille à rester concentrée. Concentration, mental équilibre, concentration, mental équilibre, concentration, mental équilibre, concentration, mental équilibre. La situation est périlleuse. Quelques centimètres carrés pour une place en finale. La petite Marseillaise est pliée en deux. Mais combien de temps pourra-t-elle tenir ainsi ?
Christina et Patrick, ça fait très exactement 2h15 que votre épreuve des poteaux a commencé. Difficile de savoir qui va l'emporter, mais cette épreuve va devenir encore plus compliquée. Vous allez devoir retirer l'une des parties latérales, soit la droite, soit la gauche. Vous allez décaler vos pieds pour libérer cette partie-là. Et ensuite, une personne pour chacun va passer à côté de vous pour vous donner le fil à tirer. Christina, vous allez libérer quelle partie ? Gauche. La partie gauche. Et vous, Patrick ? Gauche. Gauche aussi. Je vais vous demander de vous mettre en position afin que cette partie puisse tomber dans l'eau lorsque vous tirerez. Maintenant, on va vous donner la petite ficelle et vous l'enlèverez juste à mon top. Voilà, c'est parti, top! Au départ, votre plateforme était composée de 4 parties. Il n'y en a maintenant plus que 2. Mais pour l'instant, et l'un et l'autre, vous tenez et vous êtes peut-être en route vers la finale de Koh-Lanta. Bon courage! Chris. Quoi ? Ça va ? Non. Dur, hein ? C'est bien, tous les deux, je suis content. La bagarre. Je suis content pour la bagarre. Je sais très bien que tu prendrais Isabelle, alors n'essaye pas de me déconcentrer. Ok ? S'il te plaît. Ok. Patrick tente le tout pour le tout, mais la Benjamin n'est quand même pas née de la dernière pluie. Christina se méfie de Patrick, elle connaît son sens tactique et sait qu'elle est obligée de gagner. La jeune Christina et le solide Patrick s'affrontent sur les eaux claires de Palao. Celui qui remporte l'épreuve des poteaux est automatiquement finaliste et a la lourde charge de choisir avec lequel des deux autres aventuriers il se présentera devant le jury final qui élira alors le grand gagnant. Ça va Patrick ? Oui. Ça va ? C'est un peu dur là. J'ai mal sous les pieds. Je ne reviens pas à ce que je suis en train de faire. Et toi ? Le sang ne circule plus. Hein ? Le sang, il circule plus. Tu te baisses trop en avant. Tu crois qu'on va tenir longtemps comme ça ? Non, un quart d'heure. Tu tiens à ta finale avec Isa ? Je tiens à aller jusqu'au bout, quoi. Si jamais je remporte l'épreuve, je vais être hésitant parce que je sais dans quelle galère tu es. Ça, j'en suis conscient. Alors, dans un sens, je serais fier que tu remportes parce que, on va dire financièrement, t'as peut-être plus besoin de sous que moi, quoi. Malgré que je suis pas riche de reste, hein. C'est ce que je vais te dire. Bah, j'ai une maison, c'est quoi l'avantage, mais il me reste encore à payer. Hein. De quoi ? J'ai de la maison, c'est tout, hein. Il me reste encore à payer. Non, mais c'est clair que ça me fait chier, ça me ferait chier de galérer autant et qu'au final, voilà quoi. Ouais, je sais. Ouais. Mais c'est le jeu. Bientôt 3 heures de souffrance et de patience pour le gain et pour la gloire. Le Pacifique s'impatiente, ces vagues turquoises viennent lécher les pieds des deux aventuriers. Les poteaux subissent les assauts de la marée montante. Les vibrations peuvent faire chuter les rescapés à tout moment. Oh, le bébé te touche les pieds. Hein. Je vais tomber, Patrick. Non, encore une petite heure. Hein ? Encore une heure. Un miracle se produit. Doucement, prudemment, Christina se redresse. Un exploit après 2 heures passées totalement courbées. La tour est à 3 heures, hein, je pense.
Christina et Patrick, cela fait 3h15 que cette épreuve des poteaux a commencé. Votre équilibre et votre résistance m'impressionnent et cette épreuve va devenir encore plus difficile. Vous allez enlever la partie latérale droite de votre petite plateforme. Je vais vous demander de vous mettre au centre pour pouvoir libérer ensuite cette petite partie. La victoire est pour Christina, bravo! Et je me suis battu. J'ai perdu, mais on peut pas savoir comme je suis heureux. Je pensais jamais arriver à ce point-là. C'est le sport. Hein. J'ai perdu, mais je me suis surpassé. Oh là là. Christina, qu'est-ce que ça a été difficile? Très dur. Mais vous avez pas mal au dos, là? Ça va, non, là j'ai vraiment mal aux pieds, mais ça va, le sang circule. Heureuse? Ben oui. Victoire dans l'orientation, victoire sur les poteaux, victoire dans 3 épreuves d'immunité. Quelle aventure! Quelle aventure, ouais. Je sais pas quoi dire, mais j'ai pas de mots, je réalise pas. C'est trop beau, c'est trop bien. Très bien, Chris, c'est trop bien. Je suis content, mais je suis content. Hein. Patrick, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez gagné. Je suis tombé au bout de 3h15, donc je suis heureux, voilà. Ma mère qui m'a dit entraîne-toi, ma petite maman. T'es un maman, regarde maman, t'as vu ton fils? C'est pas rigolo là-dessus quand même, 3h15. Ça c'est beau, j'ai perdu, mais c'est beau, c'est beau. J'ai perdu, mais je suis heureux. Christina, vous venez de gagner l'épreuve des poteaux. Plus de 3h15 d'effort. Et ces 3h15, ça vous donne un droit immense. C'est de participer à la finale de Koh-Lanta face au jury qui va élire l'aventurier de l'année. Et vous ne serez pas seul. Oui. Il y aura vous, c'est sûr. Oui. Et l'un des finalistes malheureux. Soit Patrick, soit Isabelle. Je vais vous laisser le temps de la réflexion, car c'est une décision extrêmement importante que vous allez prendre maintenant. Je vous laisse du temps. Merci. Christina, oui. Face à vous, 2 équipiers rouges depuis le départ. Isabelle l'ambassadrice, tombée la première sur les poteaux. Patrick le stratège, tombée quelques secondes avant vous. Qui vous avez décidé d'emmener avec vous en finale et qui va voir son aventure s'arrêter là, sur le champ? Je vous écoute. Alors, je vais la jouer, quoi. La jouer sportivité. Je vais choisir Patrick. Patrick a tenu 3h15. Voilà. Je suis vraiment désolée pour Isabelle parce que voilà, tu sais que je t'apprécie énormément. Mais voilà, je préfère jouer la sportivité avant tout et c'est mon choix. Voilà. Oh Chris, putain, j'ai des 1000 au moins. Oh, merci. Merci Chris. Patrick, quel est votre sentiment là? Je remercie beaucoup Christina, ça me fait plaisir, je veux dire, je suis content. Je suis finaliste. Je suis à Koh-Lanta, là, j'ai la galère et tout, là je suis finaliste, je suis dans les deux, je veux dire, c'est bon. Pat, il est allé au bout, le Pat, donc c'est le Pat, quoi. Je suis content. Isabelle, c'est la situation la plus difficile à vivre, incontestablement, pour vous, puisque votre aventure s'arrête là brutalement et que vous ne serez pas finaliste. Comment vous le vivez, là, cet après-midi? Je comprends tout à fait le choix de Christina, donc je respecte. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit, j'étais fière d'avoir pu finir mon aventure avec Patrick et Christina. Et je suis contente, j'ai fait mon aventure, je suis fière de moi et voilà. Isabelle, vous allez les quitter, vous les retrouverez demain soir lors de cet ultime conseil et vous serez le dernier membre du jury final. À demain, allez-y. Ciao Isabelle. Content d'avoir connu. Et... Bah oui, mais on se voit. Ouais, c'est voilà. Moi demain. Bravo. Bravo la gazelle. Au revoir Isabelle. À demain pour le conseil final. Ciao Isa.
Moïsa, vas-y doucement. Hein. Doucement, je suis pas pressée. À demain. Ciao, Moïsa. À demain. Bye bye, ciao. Christina, Patrick, il vous reste une journée d'aventure. Profitez-en jusqu'au conseil de demain soir où vous retrouverez le jury final qui aura la lourde mission de voter soit pour vous, Christina, soit pour vous, Patrick. L'aventurier de l'année, ce sera forcément l'un de vous deux. Mais pour l'instant, vous allez regagner votre camp pour passer une dernière nuit là-bas. Et puis, je vous retrouverai demain soir pour cet ultime conseil. À demain. Merci. Christina et Patrick sont soulagés. Ça y est, ils sont les deux finalistes de Koh-Lanta. Un honneur. Je suis finaliste de Koh-Lanta. Putain, mais la joie, je trouve qu'il va y avoir des larmes cette nuit. Je suis heureux. Pour moi, c'est une aventure de rêve. Je peux que être fière de moi et c'est une victoire de plus. J'ai fait un parcours magnifique en fait. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Les 100 000 euros, voilà. Ça, c'est le jury final qui en décidera. Il est composé des aventuriers sortis après la réunification. Et demain, ils vont devoir départager les deux finalistes dont ils ignorent encore l'identité. Une chose est sûre, c'est que s'il y a Fabienne dans les deux finalistes, Fabienne gagne. Oui. Patrick, c'est pas difficile. Quelle que soit la personne qui est en face, je vote pour la personne qui est en face. Patrick Christina, par exemple, toi, tu voterais Patrick? Ah, moi, je préférais Patrick, qui a pas hésité à montrer que c'était un manipulateur, que c'était quelqu'un de malhonnête sur le jeu, encore une fois, sur le jeu. Et donc, bah, finalement, à choisir, je préférais que ce soit Patrick. À vous écouter, il a été plus qu'odieux. Il y a eu quand même deux trahisons, peut-être même trois de Patrick, c'est tout. Tu vas voter pour Christina? Mais à choisir, je préfère que ce soit elle qui en profite que l'autre. Je voterai pour Patrick. Oui. Il y en a certains qui voteront pour lui, d'autres pas. Exactement. C'est la confusion qui règne à la résidence du jury final. Aucune majorité franche ne semble se dégager pour Patrick ou pour Christina. L'issue du vote s'annonce donc incertaine. Je pense que le vote est important et en même temps très aléatoire, parce qu'on ne sait vraiment pas qui va gagner. Encore une dernière nuit sur le camp, et Patrick et Christina pourront affronter le jury final avec ses félicitations et ses reproches. Merci. Santé. Santé. J'ai hâte de voir quand on va arriver. Demain soir? Ouais. Un conseil? Ouais. Au cours du repas avec Patrick, voilà, on a essayé de faire un pronostic sur le jury final de demain. Pascal, il vote pour qui? Toi ou moi? Toi. Freddy, il vote pour qui? Toi ou moi? Je sais pas, là. 50-50. Ensuite, Raphaël, moi. Ouais. La stratégie pour moi demain abordée au conseil, c'est de vouloir parler à tout le monde, un par un. C'est clair, je défends mon beefsteak, essayer de leur mettre de la pommade, quoi, plus, on va dire. Après le doute, c'est Freddy, lui, Laurent, Rodolphe. Je doutais un peu du vote de demain, quoi, parce que le fait d'avoir choisi Patrick au lieu d'Isabelle, ça peut se retourner contre moi, parce que voilà, j'ai toujours revendiqué que je voulais une finale entre filles. Sur le moment de choisir, j'ai pas pensé à ça. Donc oui, forcément, ça peut se retourner contre moi. Christina se couche inquiète. Et si, en désignant Patrick comme finaliste, elle avait fait le mauvais choix? Notre destin est entre les mains du jury final. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, les deux finalistes se réveillent conscients que commence leur dernier jour d'aventure. Il faut se réveiller parce que ça y est, on est au bout, on a presque terminé notre aventure. La vie de Robinson sera bientôt terminée. Il va falloir revenir aux réalités de l'existence moderne. Il ne faut rien oublier, on embarque tous les souvenirs et les vêtements font partie de souvenirs. Quoi. Même s'ils sont très très sales, c'est pas grave. Mais mon petit t-shirt, il va porter cher dans les épreuves. Je vais bien le laver quand même, parce que ça va sortir le renard. J'ai mon petit bureau, je vais me faire des étagères, plusieurs étagères. Mes chaussures, je ne remettrai plus jamais. Mon caleçon, mon short, mon pantalon, je ne remettrai plus jamais. Je vais laisser bien plier et écrire Koh-Lanta 09, en gros, et voilà. Et là, un petit message. Jusqu'à la fin, on est... Quelle surprise.
La vie est un éternel recommencement. Laissez-vous porter par vos souvenirs. L'avenir vous sourira. Ben, c'est sûr, les souvenirs, on en a plein la tête. Bon, au final, on garde que le bon, quoi. Cette aventure, c'est que des bons souvenirs. Allez, on y va. J'ai vécu 40 jours formidables. Je vais être carrément heureux de partir, mais je vais avoir une petite peine aussi. Hein. Cabane, merci de nous avoir abrité, peut-être pas tout le temps, mais merci de nous avoir abrité le feu. En plus, la petite table aussi. Des super moments qu'on a passés ici. Je vais partir de ce camp avec de la nostalgie, quoi. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici, quoi. Je vais garder pas mal de souvenirs, ça c'est sûr. C'est un lieu inoubliable. On est blanc. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je dis blanc. C'est tout ça en rouge. Tout a une fin. Le Rouennais et la petite Marseillaise quittent le camp. Chemin faisant, les souvenirs se bousculent dans leur tête. Ces noms, ces visages qui les ont accompagnés durant 40 jours de survie les hantent. Ils se souviennent de chacun d'eux. D'ailleurs, ils en retrouveront certains ce soir. Ah, fleur jaune. Qui c'est que ça va être? Rodolphe ou Laurent? Rodolphe. Kader. Kader. Jaune à la base qui a été éliminé, qui est revenu. C'est Kader qui a c'est Kader. Oh putain. Oh santé. Vous étiez jaune lors de votre élimination. Oui, toi, faut que tu fasses un insécurité. D'accord, on fait comme ça. Ouais, ça sent. Grâce à lui, on a pu avancer dans l'aventure quand il s'est rallié à nous. Voilà, je l'ai apprécié sans plus, donc je ne regrette pas de l'avoir vu partir. Kader, j'ai partagé beaucoup de moments avec lui, des rigolades, des beaux fous rires. Merci mon seigneur. On a pas mal autrement là. C'était un bon pote, on s'est apprécié, quoi. On s'est vachement apprécié. Grotte, la grotte qui nous a protégés. Encore un jeune, Rodolphe. Quelqu'un de très bien, vachement galant, toujours à la disposition de tout le monde. Mais étant donné que tout le monde dort, je vais essayer un peu tout seul. Prêt à toute initiative pour participer à la vie du camp, pour ne s'arrêter jamais. Il était fort, Rodolphe, mine de rien. Malgré ses 53 ans, il avait de la force, un bon mental. Il a appelé loin. À un moment ou à un autre, il fallait qu'il parte. Rodolphe, c'est fini. Rodolphe, chapeau. Chapeau, Rodolphe. Là, le filet. T'es jamais autant pêché que sur l'île. Avec qui t'as allé pêcher? Dans les jaunes, Pascal. Pascal. C'est un passionné de pêche. Oh, des sardines, là! Que de la sardine. Des milliers. Ah, très bonne pêche, ça. Au premier abord, il paraît très réservé, même effacé. Mais il était quand même assez... stratégique. Assez stratégique au sein des jaunes. Il est possible que je joue contre toi avant qu'on arrive au 5. Ah oui, d'accord. Il était trop stratégique et parlait trop peu. Quand quelqu'un parle trop peu, des fois, c'est pas possible. Alors, une jaune. Anthony, le Marseillais. Anthony, donc, il a été éliminé. Dès le premier jeu, premier jour de l'aventure. 30 euros d'avion, 10 minutes ici. Il a pu revenir, il a intégré l'équipe des jeunes. Ce soir, en fait, on m'a sauté, on en parle plus. Les jeunes l'ont éliminé parce que je pense qu'il n'avait pas assez la niaque, qu'il n'était pas très physique. Ouais. Il n'était pas assez aventurier, ça c'est clair. Et je me suis mis beaucoup de machettes dans la main. Là, on aperçoit une autre couleur, beige, et je suis persuadée que c'est Myriam. Voilà. C'est ça, Myriam. C'est une femme que j'aurais aimé connaître. Sur le parcours de la première épreuve, elle s'est tordue la cheville et elle a terminé la tête haute, quoi. Ouais. Avec beaucoup de souffrance, mais elle a terminé, donc c'est courageux de sa part, quoi. Forcément, elle ne peut pas continuer, quoi. Ouais. Je suis sûre, tellement sûre que j'aurais pu arriver à faire quelque chose. Vers là-bas? Ouais, hein. Allez, je vais là-bas, je vais te passer. Oh, une couleur jaune. Kauter. Kauter, c'est elle qui a abandonné. Ouais. Moi, personnellement, Denis, je suis désolée, mais à partir d'aujourd'hui, je veux abandonner le jeu. Et je veux abandonner dès ce soir. Vous voulez partir tout de suite? Ouais, tout de suite. Votre aventure se termine sur le champ, Kauter.
Et apparemment, ça avait été un conseil assez houleux. Dites-moi qui a montré une force, la plupart, ils savent même pas nager. Je sais pas pourquoi tu as des griefs contre moi. Est-ce que tu fais des coups de Trafalgar à droite à gauche? À qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Elle donne pas une belle image de notre équipe. Équipe de bras cassés. Elle a pris un peu les câbles, quoi. Elle n'était pas assez forte pour moi, je pense. La couleur Claire, vrai, la fameuse Claire. Je pense que Tenefica était forte aussi. Après, c'est vrai, c'est une journée qu'on a connue que 3 jours. Quoi. On s'était très bien entendu. Ouais. Elle m'a beaucoup plu. Même les jeunes ont regretté après l'avoir éliminée. Bah, tu vois encore un bandeau jaune. Fabienne, je me rappelle, elle était là-dessous, elle lisait son courrier dessous. Donc, je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que c'est Fabienne. Voilà, Fabienne. Fabienne, qui avait quand même un peu de caractère, mais hyper droite. Ouais, elle est sincère, ça se voit que c'est une femme qui a un gros cœur, quoi. Quand elle est partie au rôle d'ambassadrice, elle a bien défendu son équipe, à aucun moment elle a lâché prise. Alors moi, ma position, elle est très claire, je ne voterai absolument pour aucun jeune. Ça, elle peut être fière d'elle, quoi, pour ça. Et elle est arrivée dans le carré final, donc... Elle a fait une belle aventure et voilà, si elle peut être fière de son parcours, ses proches seront fiers d'elle certainement. Et c'est vraiment quelqu'un que je veux revoir suite à cette aventure. Honnêtement, ouais. On va avoir une pirogue, on va pas gagner quoi. Donc toute cette île, c'est fini, c'est vraiment fini. Cette équipe, on a remporté toutes les épreuves de confort. On est bien tombés ensemble, c'était une belle équipe et on s'est toujours donné à fond. Et puis je crois qu'on était vachement organisés. C'était bien. Ouais, c'était bien. Tous ces bons moments, là, c'est... Ça fait plaisir de remettre les pieds ici. Vas-y, ouvre. Alexandre. Sacré parcours, Alexandre. Ouais, c'est vrai, Alexandre, c'était le sacrifié des ambassadeurs. Alexandre. Tu m'as nominé, moi, Aïza. Isabelle a voté contre Alexandre, et donc Alexandre m'en avait gros sur le cœur. Tu me laisses même pas expliquer comment ça s'est passé. Non, j'ai pas besoin. Il a eu la chance de racheter sa place. Ça y est. Voilà, il réintègre l'équipe, et puis il s'est blessé. C'est l'aventure qui a voulu ça pour lui. Il a dû avoir beaucoup de regrets, c'est clair, parce qu'il la voulait, cette aventure. Alexandre, j'avais confiance énormément en toi. Donc Alexandre, t'es un bon petit gars. Et là, notre fameuse grotte. Je pense que c'est Raphaël. Très jolie fille. Elle avait un sourire formidable, je l'ai dit plusieurs fois. Sur le camp, rien à dire. Toujours là, toujours dynamique. Les épreuves, pareil, hyper motivées, très bonne natation. Elle a remporté 2 immunités. Raphaël qui gagne cette épreuve, bravo! J'ai l'impression de découvrir une nouvelle Raphaël que je ne soupçonnais même pas. J'ai toujours du mal après, vers la fin, à la cerner parce que je me posais la question si elle était jaune ou rouge. Je préfère être honnête, je ne vais pas vous dire oui, je suis ou non, je ne suis pas. Là, je vous dis maintenant, je ne sais pas. Et je pense que je vais voter contre moi. Et j'ai une chouette fille quand même, Raphaël. Au final, c'est vrai que je pense qu'elle nous aurait. Ouais, je pense aussi qu'elle nous aurait suivis. Mmh. Bon, on va continuer. Allez. Je sais pas à quel rôle je peux penser. Marine, 19 ans, la plus jeune. Marine, elle avait un potentiel, un mental de folie, quoi. Et surtout une physique, quoi. Une fille formidable, plein de muscles, motivée comme un garçon. Il y a eu moins de chance par la suite de l'aventure. Ça va, Marine? Et le soir où elle nous a fait très peur, donc c'était le soir du trek. Ouais. Crise d'angoisse, elle se raidissait, elle avait du mal à respirer. Le médecin est arrivé. Marine ne reviendra pas. C'est le dernier éliminé qui est réintégré, à savoir Christina. J'ai eu la chance de revenir. Son malheur a fait mon bonheur. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.
rouge. Julien qui est parti au premier conseil. Après tirage au sort. Julien, c'est vous qui êtes éliminé ce soir. C'est vrai, Julien, j'aurais bien aimé qu'il reste dans l'aventure, c'est clair. Pour plus se connaître, il était motivé, il voulait cette aventure aussi. Mais l'aventure s'est faite ainsi et il est parti. Donc une bonne pensée pour petit Julien. Enfin, pour le grand, il était grand. Qui c'est peut-être ? De manière, là, c'est Freddy ou Isabelle ? Freddy. Freddy l'aventurier. L'aventurier idéal. Bien Freddy, c'était l'homme qui pouvait gagner parce que Freddy savait tout faire. Hyper polyvalent. Il se réveille foncé, le feu, le bois. Freddy, c'est un très bon aventurier. Personne veut le manger ? Ah, il a fait des trucs impressionnants. Il y a un truc qui m'a impressionné aussi. Quand il est monté à l'arbre chercher notre coco, je veux dire, chapeau Freddy. Freddy, c'est vrai que par contre, il était trop fort pour aller jusqu'au bout. Au final, c'était quelqu'un de très aimable, admirable. Et puis, ouais, c'était l'aventurier de Koh-Lanta. Ouais. Un jaune. Qui c'est que ça peut être ? Louis Laurent. Louis Laurent. Les rouges, quel jaune va vous rejoindre ? Louis Laurent. Louis Laurent. Je suis déprimé. En fait, j'ai plus rien à faire sur l'île. Ouais, on arrive dans une équipe déjà formée. On sait très bien que notre place est risquée. Ouais, j'aurais pas aimé être à sa place. La victoire pour les rouges, bravo ! On a continué à remporter des épreuves. Ouais. Donc, quelque part, ça l'a rassuré. J'ai sauvé ma fesse gauche. Maintenant, il faut que je sauve ma fesse droite. Wow ! Ah, dès la réunification, il s'est retourné vers ses anciens coéquipiers. Ah, vous nous avez manqué, hein ? Il faut dire la vérité, il avait plus d'affinité avec les jaunes qu'avec nous. Quoi. Voilà. Mais il est gentil. Ouais, il est gentil. Bel aventurier aussi. Attention les rouges. C'est fini, merci, vous avez porté bonheur. Bon voilà, ça te rappelle les souvenirs aussi. Sacré souvenir. C'est là où on a débarqué le premier jour d'aventure. Le gros bateau, tout sauté là. Allez, on y va. T'as été tous motivés. Tu vois le foulard rouge, dernier foulard rouge, Isabelle. C'est une fille qui avait énormément de mérite. Les rouges, relâchez pas. Elle avait quelque chose à se prouver. Beaucoup de mérite pour Isabelle, vraiment beaucoup de mérite. Ça me ferait mal de quitter l'aventure. C'est une très belle aventurière. Belle femme, belle aventurière. Ouais. Toujours souriante, ouais. C'est le bonheur. Et elle a radoté que les personnes à qui elle faisait le plus confiance. Patrick et Christina. Et on est arrivés tous les trois au bout, quoi, pratiquement. Trois rouges ensemble. C'est terminé pour Isabelle. Ses enfants peuvent être vraiment fiers d'elle, je veux dire. On pense à elle. Ouais. Tiens, ça c'est beau. Oh, ça, j'allais rêver, hein. Ah, c'est beau, la finale en plus. Ça veut dire qu'après 40 jours, on est les deux survivants. En fait. Peu importe ce qui se passe ce soir, c'est beau. Patrick. Mon petit Pat qui est là. Pat. Et maintenant, le conseil. Ouais. Ça sent la fin. Ouais. Voici venu l'ultime conseil, et il n'a rien à voir avec les précédents pour la simple et bonne raison que ce soir, personne ne sera éliminé. Au contraire, le jury final aura la lourde responsabilité d'élire l'ultime survivant de Koh-Lanta. Ce sera soit Patrick, un homme qui n'a jamais caché son goût prononcé pour la stratégie et qui a joué finement pour en arriver là, soit Christina, une aventurière au palmarès impressionnant et inégalé. Actuellement, le jury final est incomplet. Il manque deux aventuriers, ceux qui terminent quatrième et troisième. Et aucun membre de ce jury final ne connaît l'identité des deux finalistes de Koh-Lanta. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà de retour au conseil, là où tous vous avez connu l'élimination. Mais ce soir, vous venez avec un rôle très particulier, celui d'élire le dernier survivant de votre aventure. Alors pour l'instant, il manque quatre aventuriers. L'aventurier qui termine quatrième, c'est celui qui perd l'orientation. Je vous demande tout de suite d'accueillir l'aventurier qui prendra cette quatrième place dans Koh-Lanta cette année. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Denis. Oh merde. Je me suis planté sur l'orientation. Bien.
pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette épreuve d'orientation? Ben, je pense que j'aurais dû, avec le recul, m'occuper un petit peu plus de moi et un petit peu moins des autres. J'aurais dû être sur ce coup-là un petit peu plus égoïste. C'est-à-dire? Isabelle était paniquée, Christina était paniquée aussi. Donc j'ai pensé donner de l'aide et en fait, bah, j'ai dû un peu me disperser. Mmh. Mais je regrette pas, mais bon. Vous êtes quatrième, Fabienne. Est-ce que c'est difficile à gérer? Pas difficile vraiment à gérer, puisque moi, il y a longtemps que je pensais partir à la réunification. Donc bah, je suis contente. J'aurais voulu porter un peu le fanion des jaunes un peu plus longtemps. Ouais. C'est pas grave. Raphaël, vous n'êtes plus la seule fille dans ce jury final, puisque vous êtes un membre à part entière de ce jury final et je vous demande de les rejoindre. Merci. Il manque encore une personne pour compléter ce jury final. C'est l'aventurier qui termine troisième, qui n'a pas été choisi par l'aventurier qui a gagné les poteaux. Voici le troisième aventurier. Bonsoir Denis. Bonsoir, bonsoir Isabelle. Isabelle sur les poteaux est tombée la première après une heure d'effort. Oui, malheureusement, oui. J'aurais aimé aller plus loin, mais voilà. Ça a été dur à vivre? C'est très dur psychologiquement parce que, bon, bah, on y croit. Hein. Surtout, j'étais bien concentrée, vraiment très bien, et puis voilà. Raphaël, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Isabelle, là, tout de suite? Toi, t'as tout le temps douté de moi, et c'est vrai que pas une seule fois, j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. En échange, bon, bah, forcément, on m'a peut-être dit des choses qui n'ont pas été tenues. Par exemple, qu'on ferait sortir tous les jaunes avant les rouges, alors que, bon, j'ai été éliminée le soir même. Voilà. Bah, dis-toi bien que si je te dis, finalement, après les doutes que t'as pu avoir de moi, que c'est d'une autre personne que tu aurais dû te douter. De qui? De Christina. Mmh. Avec qui tu avais des affinités et qui n'a pas hésité à voter pour toi. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que Christina nous a bien bluffé et je pense que c'est elle qui a été vraiment la grande stratège de cette aventure. S'il y aurait une palme à donner dans Koh-Lanta, je la donnerais à Christina parce qu'elle a vraiment été très très forte. Fabienne? Je suis étonnée du choix de Christina. J'ai été certaine qu'elle prendrait Isabelle. Cette fameuse alliance des filles, cette solidarité féminine jusqu'au bout. Puisqu'on en avait discuté, elle m'a dit « Je ne te prendrai pas parce que je sais que sinon les votes seraient pour toi, je prendrai Isabelle et pas Patrick ». Donc je comprends pas pourquoi elle a changé au dernier moment. Eh ben on lui posera la question dans quelques instants. Isabelle, troisième, rejoignez le jury final. Vous êtes le dernier membre de ce comité qui votera tout à l'heure, soit pour Christina, soit pour Patrick. Mais face à moi, j'ai 8 personnes. Et il faut impérativement un nombre impair de votants pour qu'il y ait forcément à l'arrivée un seul gagnant, un unique survivant. L'un d'entre vous ne votera pas, c'est vous, Freddy, parce que vous êtes le premier éliminé de l'après-réunification. Ce soir, vous ne votez pas. Les poteaux ont été extraordinaires, ils ont été vaillants en tenant 3h15. 3h15, dans des conditions très difficiles. Et finalement, c'est Christina qui l'emporte. Je vous demande d'accueillir les deux finalistes de votre Koh-Lanta, Christina et Patrick. Bonsoir. Bonsoir Christina. Bonsoir Patrick. Bonsoir Denis. Voici les deux finalistes de Koh-Lanta. Installez-vous. On ne reconnaît personne, toi. Putain, les beaux gosses. Patrick et Christina, vous avez face à vous le jury final. Ce sont eux qui vont vous départager tout à l'heure. Ils vont vous poser des questions pour se faire une idée précise et pour pouvoir voter en leur âme et conscience avec tous les éléments. Okay. Rodolphe. Christina, ton choix. D'après ce que j'ai compris, tu devais choisir Isabelle. Finalement, tu choisis Patrick. Je devais, il n'y a eu aucune promesse, on va dire. Alors, pourquoi ce choix-là? Sur cette fameuse épreuve de poteau, Isabelle est tombée au bout d'une heure. Patrick, au bout de 3h15. Je l'ai joué à la sportivité parce que j'ai souffert autant que lui. On était dans des positions très compliquées pendant plus d'une heure et demie, mais j'étais dans une position incroyable. Et je voyais, j'essayais de lever les yeux, je voyais Patrick droit comme un lit. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, je peux être que fière de moi, quoi. Et je regrette rien du tout, quoi. Si Isabelle avait tenu 3 heures, j'aurais choisi Isabelle. Voilà. À Patrick? Non, mais Patrick, bon, mais je connaissais sa stratégie. J'ai simplement été surpris par les fameuses surprises qu'il nous a fait sur les derniers conseils, mais bon... C'est-à-dire sur des éliminations que vous n'attendiez pas? Qu'on n'attendait pas du tout. Chaque fois, j'attendais mon tour ou celui de Fabienne, et puis il a sorti, bah, lui, Laura, puis après Raphaël. Bon, ben voilà. En fait, je suis stratégique, c'est clair. Je porte sans problème la stratégie, il n'y a aucun souci. Mais je ne décide pas tout seul non plus, quoi. C'est ce que je veux dire. Bien sûr. Voilà, ça, c'est clair. Je veux dire, parce qu'il y a l'impression qu'il n'y a que moi qui vote. J'ai la voix de 4 personnes ou 5 personnes, quoi. Isabelle,
Avez-vous des questions à leur poser? Bah Patrick, c'est mon ami de l'aventure, c'est vrai. Ses stratégies, moi, ça m'a servi. Maintenant, je suis déçue de Christina, c'est vrai. Et des choix que j'ai pu faire à t'écouter, que j'aurais peut-être pas dû faire. Et moi-même, j'ai été étonnée dans le fait qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas voter contre Raphaël et finalement elle l'a quand même voté. Honnêtement, je vous l'ai dit que j'avais pas envie de voter contre elle et dans tous les cas, il fallait ma voix pour que Raphaël sorte. Donc je vous ai suivi tout simplement. Mais ne dis pas qu'à aucun moment j'ai voulu voter contre Raphaël. C'était vraiment un choix contre cœur et je vous l'ai dit à tous les trois. Raphaël. Moi j'ai un sentiment de trahison quand même. J'ai un peu l'impression qu'on m'a saboté mon aventure. Mais j'aimerais juste savoir Patrick, comment est-ce que tu arrives à regarder les gens en face et en ce qui me concerne, à me dire le matin même, si jamais je dois voter contre toi, je te le dirai avant. Ouais. Donc pourquoi j'ai voté contre toi ce jour-là? C'est qui a fait une crise le matin? Qui a dit je me cache, j'en ai marre, votez pour moi, Rodolphe. J'ai dit Kader, on vote pour Rodolphe, ok. Isabelle, on vote pour Rodolphe, il en a marre, il veut partir. Ok. Raphaël, tu veux voter contre Rodolphe? Je sais pas. Non. Ah non, excuse-moi. Nous, on s'était mis d'accord pour voter contre Rodolphe. D'accord. Donc, et uniquement parce que tu je te dis. Mettais... Oh là, j'ai dit qu'est-ce que c'est cet embrouille? Ça, c'est une grosse embrouille. Non, excuse-moi, mais uniquement parce que je dis je sais pas, tu dis bon, bah, non, allez, on va changer les plans et on va voter contre elle. Explique-moi juste une fois, depuis le début de l'aventure, quand est-ce que je vous ai trahi? Quand est-ce que j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue? D'accord. Je te l'ai dit, en plus, j'ai eu des propositions de la part des jeunes qui me garantissaient une place dans le carré final. J'ai toujours refusé de m'allier justement avec eux parce que j'ai dit que je m'étais engagée avec vous. Donc, je ne te permets pas de dire aujourd'hui que j'aurais pu m'allier avec eux. Vous connaissez, Patrick, que Raphaël ne vous a jamais trahi. Là, oui, c'est vrai. J'ai douté énormément sur Raphaël. Pourtant, je l'apprécie. Hein. Du début, on était hyper complices. On a passé des moments, j'adorais son sourire et tout. J'ai toujours dit. Mais là, quand je vois qu'elle me dit ça, que maintenant, elle parle plus que ce qu'elle aurait dû me dire avant, eh ben, ce ne serait pas passé comme ça. Elle serait encore dans l'aventure. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir qu'il se cache derrière des choses, des suspicions. Là, il reconnaît. Il reconnaît qu'il s'est trompé. Il fait amende honorable. Je reconnais. Là, ce soir, en tout cas. Non, mais je reconnais, c'est clair. Vous pouvez maintenant vous exprimer face à Christina. Ça m'a vraiment, on va dire, affectée de voir que le matin même, bon, bah, tu me dis, je ne peux pas voter contre Kader. Et le soir, tu peux très bien voter contre moi, vu que c'est quand même ta voix qui a fait la différence. Christina. Alors, pour moi, c'était la pire des journées. J'ai tourné la chose dans tous les sens. Au final, j'ai choisi de voter contre toi. Pourquoi? Parce que moi aussi, à un moment donné, limite, j'ai eu des doutes. Parce que tu étais très communicative avec les jeunes. J'ai senti qu'on avait moins d'affinités par rapport au début de l'aventure. Et ouais, j'ai eu peur, je sais pas. J'ai dit, si je le fais pas, si je suis pas, eh ben, je risque de sauter le tour d'après. Et je préfère sauver ma place que celle de Raphaël. Donc voilà, j'ai fait ce choix pour cela. Et c'est vrai que 2-3 jours après, j'ai dit, putain, mais j'ai fait une connerie. Ouais. Alors, Christina, est-ce que consciemment, tu as pu te cacher derrière les stratégies de Patrick ou Isabelle pour arriver jusque-là? Honnêtement, ouais, j'ai suivi le mouvement. Moi et la stratégie, ça fait deux, mais je me suis alliée avec les bonnes personnes, on va dire les plus stratèges. Après, dans les épreuves, je me suis toujours donnée à fond pour me surpasser. C'est un choix personnel, des réponses que je suis venue chercher dans cette aventure. On va passer à Pascal. Patrick, est-ce que tu penses que dans la stratégie, tous les coups sont jouables? Au niveau des stratégies, j'étais prêt à aller au bout de mes stratégies. Quels que soient les moyens. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, c'est clair. C'était ma façon de vivre Koh Lanta, puis c'est beaucoup plus intéressant. Pascal, une question à Christina maintenant. Christina, donc tu nous as dit que tu étais en matière de stratégie plutôt suiveuse. Est-ce que sur le carré final, tu penses avoir été plutôt meneuse? On s'est alliés, nous, les filles, pour éliminer Kader. J'ai dû convaincre peut-être Fabienne qui, elle, à la base, souhaitait voter pour Patrick. Donc, meneuse, je vais te dire non. C'est juste que je voulais d'un carré final sans Kader. Voilà, honnêtement, je le dis. Kader, à vous. Donc moi, je suis très content pour eux parce que c'était le rêve de tout le monde, on ne peut pas se le cacher. À leur place, j'aurais été le plus heureux des hommes. Moi, je suis très fier d'eux, et surtout de Patrick. Christina, beaucoup moins parce que je suis très rancunier. Je ne peux pas m'empêcher de penser, et je le sais, qu'elle m'a fait passer pour ce que je ne suis pas. Et je persiste là-dessus. Voilà. Donc Christina, je ne lui souhaite rien du tout, moi, très franchement. On a le même point de vue dans le caractère, la rancune. Donc moi, je souhaite à Patrick d'y arriver parce qu'il a démontré quand même des choses.
En dehors de ses choix stratégiques, voilà. Donc c'est vrai que Patrick, j'ai pas d'autres questions à lui poser que ce que je sais déjà, quoi. Freddy, à vous. J'aimerais qu'on me réponde uniquement par des oui et des non. Donc, Christina, est-ce que quelqu'un qui ne tient pas sa parole, tu pourrais lui en vouloir, oui ou non? Oui. Est-ce que tu avais fait une promesse à Raphaël pour lui dire « je ne voterai pas contre toi » ? Oui. Oui, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à Patrick. Quel était ton objectif? Est-ce que c'était la victoire ou est-ce que c'était l'argent? La victoire. D'accord. Je voulais l'aventure. D'accord. Malgré ma stratégie, je veux l'aventure. Voilà. Moi, je t'en veux pas, Patrick. Je te le dis honnêtement. Parce que, voilà, pour moi, tu as été honnête du début à la fin. Tu viens de le répéter encore une fois ce soir. Tu as dit que tu étais prête à tout. Après, moi, j'estime qu'on peut très bien gagner Koh-Lanta en étant un stratège, mais en ne faisant pas des coups dans le dos. Patrick, tu aurais eu moyen de gagner Koh-Lanta sans donner ta parole à tout le monde, d'aller trop loin. Mais pour moi, tu représentes plus l'aventurier qui doit gagner Koh-Lanta que Christina, si je devais faire un choix. Dans quelques instants, vous allez aller voter. Mais avant qu'ils aillent voter, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir leur dire pourquoi vous estimez mériter d'être le dernier survivant de Koh-Lanta. Pourquoi vous pensez mériter de gagner? Patrick, à vous l'honneur. Je sais pas vraiment si je le mérite déjà, c'est clair, par rapport à tout ce que j'ai fait. Gagner, c'est beau, je veux dire, 100 000, tout le monde les voudrait, je veux dire, l'argent, c'est l'argent, je veux dire. Mais je suis heureux déjà d'être là, d'être ici. Vous faites comme vous voulez. Il y avait des gens que j'aurais aimé peut-être avoir avec moi, c'est vrai. Vous faites comme vous voulez, peu importe. Je suis heureux, c'est tout. J'ai des 100 fois hier, je suis heureux. Putain, 40 ans à pleurer, gamin. Mais je suis heureux, j'ai fait mon aventure, j'ai fait tour de stratégie, mais j'ai toujours avoué. Pour moi, personnellement, j'ai fait un beau Koh-Lanta. Je voulais tellement venir à ce Koh-Lanta, je suis allé loin. C'est l'essentiel, quoi. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai avoué, j'étais stratégique, c'est clair. Et j'ai fait des erreurs, forcément. Et l'erreur est humaine, on va dire. Il faut que je me rattrape là-dessus, quoi. Voilà, c'est mon petit discours. Ouais. Et j'arrête de pleurer, parce que je suis à la base, je suis heureux. Hier, j'étais au poteau 3h15. Moi, 3h15, je reviens encore pas. Donc, je suis heureux. Pour moi, j'ai gagné Koh-Lanta. Peu importe ce qui se passe, peu importe votre vote, j'ai gagné Koh-Lanta. Voilà. Christina, c'est à vous maintenant. Pourquoi vous méritez d'être la dernière survivante? Mais alors, voilà, si je suis censée bien me vendre, voilà, je pense que c'est une chose que je ne sais pas faire. Ce que je peux vous dire, c'est que votez tous en votre âme et conscience. Faites ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, moi, je suis fière de mon parcours. Voilà, je me suis prouvé plein de choses et puis... C'est tout, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Faites comme vous voulez. Dans tous les cas, j'ai gagné mon Koh-Lanta et je suis fière de moi. Ma famille sera fière de moi, quoi qu'il arrive. Et puis c'est tout. J'en dis pas plus. Patrick et Christina, le moment du vote est arrivé. Maintenant, c'est à eux, aux membres du jury final, de voter. Je vous rappelle, Freddy, que vous ne votez pas parce que le jury final est composé d'un nombre impair d'aventuriers et que vous êtes le premier éliminé de l'après-réunification. Kader, allez voter. Fabienne, vous êtes quatrième de Koh-Lanta et vous êtes membre à part entière du jury final. Allez voter. C'est bien pour toi. À vous, Pascal. Isabelle, au troisième de cette aventure. Allez voter. Raphaël, allez voter. Dernier vote du dernier conseil, c'est pour vous, Rodolphe.
Voilà, vous avez tous voté, je vais tout de suite chercher l'urne. Voilà, à l'intérieur de cette urne se trouve le prénom de celui ou de celle qui sera l'ultime survivant de votre saison de Koh-Lanta. Vous allez devoir patienter puisque je procéderai au dépouillement en direct à Paris avec l'ensemble des aventuriers qui ont vécu ici dans l'archipel de Palau. Par conséquent, je vais maintenant sceller l'urne sous contrôle d'un huissier. Rendez-vous à Paris. Eh bien, le rendez-vous à Paris, c'est tout de suite, en direct. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez seulement maintenant, quel plaisir de vous retrouver ce soir, ici, pour vivre l'épilogue de Koh-Lanta. Et d'ici quelques minutes, nous connaîtrons l'ultime survivant, le dernier escapé de cette aventure hors du commun. Ce soir, ils sont tous là, les aventuriers ont troqué leur look de naufragé pour un style, vous allez vous en rendre compte, beaucoup plus civilisé. Ils sont beaux, ils sont reposés et pour la plupart, ils se sont remplumés. Alors je vous demande d'accueillir d'abord celle pour qui l'aventure malheureusement a été éphémère. Et oui, c'est le destin, la bouillonnante Myriam. Contrainte à l'abandon à cause d'une fracture à la cheville lors de la première épreuve. Tout va bien Myriam ? On en reparlera tout à l'heure. À ses côtés, Julien, jeune diplômé en tourisme, éliminé lors du premier conseil. On retrouve bien entendu aussi, j'ai envie de dire, le truculent Anthony, de l'humour à revendre et une phobie des toutes petites bêtes. On se souvient de vous, hein, notamment avec les sauterelles et les mouches, capables de d'essayer de les zigouiller comme ça avec le sabre. Vous étiez coupé le pouce, malheureusement, on s'en souvient très bien. À côté de vous, Claire, la patronne de magasin à l'autorité naturelle. Juste devant, elle est magnifique, avec les cheveux légèrement ondulés. C'est Marine, celle qui milite pour l'égalité des sexes en toutes circonstances. Même, ma chère Marine, lorsqu'il s'agit de porter les pots de peinture. À égalité, les hommes et les femmes, et vous avez bien raison. Derrière vous, elle est somptueuse ce soir. Ah, bah, lève déjà les bras en signe de victoire, c'est Kauter, sportive, à la langue toujours bien pendue. Je voudrais vraiment qu'on lui réserve une ovation parce que au niveau de la tenue, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux. Un costume à paillettes, une chemise noire, des chaussures brillantes. Alexandre, une âme de poète pour ce policier musicien. Policier dans la vie, guitariste à vos heures perdues. C'est un mélange qui vous va très très bien. On parlera tout à l'heure de votre nez. Je sais que ça a fait très mal. Et puis devant vous, comment le caractériser? Il a le sourire, il est décontracté. C'est l'un des maîtres de la survie. Vous lui donnez des morceaux de bambou et il vous construit en 2 secondes une table de jardin. Merci d'accueillir et d'ovationner Freddy. Merci. Bravo Freddy pour toute votre aventure. Et c'est vrai que la table de jardin et tout ce que vous avez construit, notamment avec la complicité de Rodolphe, c'était formidable et c'est quasiment unique dans l'histoire de Koh-Lanta. Alors, sur la gauche, maintenant, je me tourne vers ceux qui constituent finalement le jury final, les 7 membres de ce jury que je vais vous présenter maintenant par ordre d'élimination, en commençant par Pascal, le réfléchi de la bande qui garde son calme en toutes circonstances. Derrière lui, regardez bien, il a été très ému pendant tout le dernier épisode. Il a les yeux encore tout rouges, même s'ils sont en couleur bleu lagon, avec un très joli pull violet et des tresses que l'on n'avait pas l'habitude de voir sur Koh-Lanta. C'est un athlète à la gentillesse personnifiée, Louis Laurent. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, car à ses côtés, elle a aussi une tenue violette. Lors des essais cet après-midi, pour ne rien vous cacher, elle était tout en blanc. Elle a préféré sa tenue violette et c'est vrai qu'elle vous va encore mieux. Ancienne Miss Languedoc qui s'est découverte des talents cachés sur cette aventure, des talents de sportif, c'est Raphaël. Alors devant vous, lui, il n'a pas changé de tenue, il avait choisi cette chemise grise. C'est le chéri de ces dames, le Georges Clooney de la Canebière.
L'homme qui beurre les tartines de ses enfants au petit déjeuner. C'est Rodolphe. Rodolphe, à l'applaudimètre, vous êtes pas mal. Hein. Avec Freddy, ça se vaut. En tout cas, vous avez marqué cette aventure. Derrière vous, là, il y a une petite ressemblance avec la chemise de Rodolphe. Pour celui qui a un physique et un mental de jeune homme, malgré ses 45 ans, c'est Kader. Alors, puisqu'il faut trouver des qualificatifs, ma chère Fabienne qui est devant moi, vous avez le plus de bijoux ce soir, beaucoup plus que toutes les autres. Et regardez, les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, les bagues. Mais moi, ce que je voulais simplement dire ce soir, c'est que vous êtes peut-être la plus endurante, celle qui aurait pu survivre 40 jours sans feu. Rodolphe, vous êtes d'accord avec moi ? 40 jours sans feu, c'est Fabienne ! Et enfin, la dernière éliminée aux portes de la finale, regardez comme elle est belle, quatrième dauphine de Miss France, c'était il y a quelques années. Maman attentionnée, aventurière à la volonté et à la motivation hors normes, merci d'ovationner Isabelle ! Merci d'être avec nous ce soir, mais vous le savez, il manque bien évidemment deux protagonistes, les deux finalistes, les deux aventuriers, ceux qui vont se disputer la victoire, ceux qui ont tenu 40 jours dans des conditions de survie extrêmement difficiles. Alors je vous demande d'accueillir le plus chaleureusement possible les deux finalistes de ce Koh-Lanta Palao, Christina et Patrick. Allez vous asseoir. Ah, beaucoup de fair play. Alors si vous nous rejoignez seulement maintenant, standing ovation, Patrick, Christina. Je voulais simplement vous rappeler, si vous nous rejoignez maintenant, que Christina a remporté l'épreuve des poteaux, vous l'avez découvert il y a quelques minutes, et elle a choisi comme adversaire en finale Patrick. Alors devant moi, vous découvrez ici cette urne avec à l'intérieur 7 bulletins, ceux des membres du jury final qui ont voté pour vous départager, Christina et Patrick, et pour élire d'ici quelques minutes l'ultime survivant de cette aventure. Alors dans quelques instants, bien entendu, je vais procéder au dépouillement. Patrick, Christina, Christina, Patrick, l'un d'entre vous va être élu ultime survivant de Koh-Lanta. Le gagnant repartira avec une formidable récompense, vous le savez, les 100 000 euros promis au vainqueur. Alors chez vous, je suis sûr que devant votre télévision, vous avez sans doute une préférence, une intuition, peut-être même des indices par rapport à tout ce que vous avez vu sur les épisodes précédents. Malheureusement, vous ne faites pas partie du jury final, mais rassurez-vous, dans quelques minutes, vous serez fixé. On se retrouve juste après une courte pause en compagnie de tous les aventuriers qui vous ont fait vibrer depuis 2 mois. Restez avec nous, à tout de suite. Retour en direct avec tous les aventuriers de Koh-Lanta. Regardez comment ils sont beaux. L'aventure de Koh-Lanta, l'aventure de toute une vie les a littéralement magnifiés. Alors d'ici quelques instants, le dépouillement bien sûr et le dénouement. Qui de Patrick ou de Christina va l'emporter? Suspense, suspense. Patrick, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous de se retrouver là, ici, au milieu de tous les autres, finalistes de Koh-Lanta? Ben, de la joie, Denis. Je suis là, même si je perds, je suis là. Je veux dire, je fais partie du jeu déjà, c'est l'essentiel pour moi. Ouais. 5 ans que j'attends, je suis là. C'est que du bonheur. Alors moi, je reconnais cette expression. Vous me l'avez dite des dizaines de fois. Je suis heureux, je suis heureux. Ouais. Effectivement, vous êtes heureux. Finalement, c'est votre stratégie dans l'ensemble qui a bien fonctionné. On va dire ça comme ça, que ma stratégie a payé. Il y en a peut-être qui ont moins apprécié que d'autres, c'est clair. Mais je veux dire... Ça fait rire Myriam, en tout ouais, cas. Je sais. Mais après, j'ai emmené les rouges sur les poteaux. Voilà, donc je suis fier de moi. Et vous êtes allé sur les poteaux, on l'a vu tout à l'heure. Moi, je voudrais me tourner dans le public vers Valérie, votre femme. Comment est-il au quotidien à la maison du côté de Rohan, quand il est avec vos 2 enfants, quand il est à la maison, quand il joue aux jeux électroniques? Est-ce que c'est le Patrick que vous avez découvert dans Koh-Lanta? Patrick, je le connais, hein, ça fait 18 ans qu'on est, mariés. Stratège... Ouais, j'ai été un peu étonnée sur certaines choses, mais sinon Patrick, c'est un rigolo tout le temps. C'est un bout en train, c'est la joie de vivre, il est heureux. C'est un gamin, il passe son temps à jouer avec ses enfants. Et on est très très fiers de lui. Et voilà, et je l'aime à la folie. Ouais, c'est une belle déclaration d'amour ça.
Patrick, c'est le pâte en fait, hein. Ouais, c'est le pâte. Alors je me tourne vers l'autre finaliste, Christina. Permettez-moi de vous dire que vous êtes particulièrement ravissante ce soir. Merci. Comme vous l'étiez d'ailleurs sur l'île. Et j'ai vraiment l'impression, Christina, que cette aventure, elle vous a transformée, que vous n'êtes plus la même jeune femme que celle que j'ai découverte en arrivant à Palau. Ben forcément, cette aventure m'a aidé à grandir, à prendre de la maturité, à avoir plus confiance en moi parce que j'en manquais énormément. Et donc, ça a été bénéfique dans l'ensemble. Voilà, je ressors grandi de cette expérience. Ah, vous savez, Christina, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Donc, je vais me tourner dans le public du côté de votre sœur qui est là-bas. C'est Aurore. Comment vous, Aurore, vous avez vécu l'aventure de Christina? Est-ce qu'elle vous a surpris? Est-ce que vous avez été étonnée, notamment, de l'avoir gagné autant d'épreuves? Christina m'a beaucoup surprise, oui, en effet. Je savais qu'elle avait une grande force mentale, une force physique, mais pas autant. Elle a énormément changé, elle est revenue, elle a entamé une nouvelle vie, un nouveau copain, un nouveau boulot. C'est bon, Koh-Lanta a tout changé et voilà. Alors, Christina, elle en a dit soit trop, soit pas assez, donc je vais un petit peu en parler un tout petit peu plus, hein, puisque vous avez changé de vie. Vous nous aviez parlé beaucoup de votre chat, de votre maman et de vos sœurs. Oui. Mais finalement, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie depuis quelque temps, et il est là aussi, c'est votre compagnon, votre fiancé, comme vous dites à Marseille. C'est Franck qui est là, aux côtés de votre sœur. Et aux côtés de Leïla aussi, votre maman. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons principales de votre changement et de votre ouverture au monde après cette belle aventure de Koh-Lanta. Alors Patrick et Christina, il va falloir encore un peu garder votre souffle, masquer votre émotion, votre nervosité, car avant le dépouillement, je voudrais tout simplement revenir sur les quelques moments forts de cette aventure qui s'est déroulée dans ce paradis de la faune et de la flore sous-marine. Avec d'abord, malheureusement, oui, je me tourne vers vous, ma chère Myriam, des blessures qui ont émaillé Koh-Lanta. Souvenez-vous d'abord en images. T'es avec nous, Marine. Hello. C'est tendu à cheville, copter. Tant que je serai capable de poser les deux pieds par terre, bah je continuerai. Je me suis mis un coup de machette dans la main. On ne dirait pas comme ça, mais c'est profond. Je me rends compte à quel point qu'est-ce que je peux être con parfois. J'ai relevé la tête, je me suis tapé le truc en frontal, ça fait un gros crack. Ça va, Alex? Anna. Oui. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. Ouais. Alors... Malheureusement, comme on le suspectait, c'est fracturé. J'ai fait deux jours. Mais c'est fini. Mais c'est trop dommage. Vraiment trop dommage, quoi. Je suis sûre, tellement sûre que j'aurais pu arriver à faire quelque chose. Eh oui, Myriam, moi je me souviens vous avoir vu à l'hôpital avant votre rapatriement en France. C'était un moment extrêmement émouvant. Mais on va revenir dans quelques instants sur votre blessure. En tout cas, j'ai vu des rires et des larmes pendant cette séquence. Marine, est-ce que ça va mieux? Parce que vous aussi, vous nous avez fait peur lors de ce trek quand d'un seul coup, vous êtes trouvé mal avec cette crise de tétanie. Comment ça va aujourd'hui? Beaucoup mieux, Denis. C'est vrai? Oui. Vous avez le sourire? Parce oui. Que vous étiez tellement robuste que moi, je pensais vraiment que vous aviez le potentiel physique pour aller beaucoup plus loin. Moi aussi, j'aurais pensé que je pouvais aller beaucoup plus loin. Mais comme quoi, Koh-Lanta, c'est très dur. Voilà, c'est surprise. Surprise. Voilà, non, c'est comme ça, c'est la santé. Le corps, on ne peut pas le diriger. Le mental, on le peut, mais le corps, non. Donc, Et ça fait partie de Koh-Lanta. Régulièrement, il y a effectivement des problèmes. Parce qu'il faut le rappeler une nouvelle fois, c'est une aventure extrêmement éprouvante que vous avez vécue. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut tous d'ores et déjà vous applaudir très très fort. Un petit mot pour vous, Louis-Laurent, parce que j'oublie pas non plus ce problème à la cheville. Moi, j'ai cru à un moment que cette entorse serait rédhibitoire et que vous seriez obligé aussi de quitter l'aventure. Mais à force de courage, vous êtes resté et vous avez serré les dents, comme on dit. Sincèrement, j'avoue que j'ai été
vraiment assez handicapé au début, mais j'ai eu la chance d'être soutenu par les bonnes personnes. Je pense que tout le monde ici m'a un petit peu soulagé sur le camp et dans les épreuves comme il pouvait. Donc si on a un petit peu de force mentale et qu'on se sent soutenu, ben, c'est la meilleure recette pour continuer, quoi. De la force mentale, être fédérateur, un petit mot. Moi, j'ai une pensée aussi pour vous parce que je sais que le nez, ça fait très très mal pour Alexandre, très très vite. Ou que ça a été douloureux, ce choc sur cette barre en bois avec le haut du nez et qui a occasionné un très léger traumatisme crânien qui a occasionné lui-même votre départ. Ah, c'est certain, Denis, que quoi qu'il en soit, la douleur a été présente. Hein, mais je pense que pour toutes les personnes blessées et qui ont dû quitter l'aventure, la grosse douleur vient par la suite avec la frustration, justement. Ah ouais. D'être quitter l'aventure de partir sur blessure. Je pense que c'est vraiment la plus grosse des douleurs. Myriam, maintenant je me tourne vers vous. Oui. Là, on va parler sérieusement. Deuxième jour de l'aventure, première épreuve. Vous êtes quatrième à ce moment-là. Vous arrivez quatrième, vous vous qualifiez pour la suite, mais avec une cheville cassée, une malléole fracturée. Ça fait 8 mois de convalescence, 8 mois de soins, de traitement. Comment ça va aujourd'hui ? Ben écoutez, Denis, ça va plutôt très bien. Oh là là, j'ai peur, je vous vois debout. Je sais que votre surnom, c'est Mimi Caoutchouc. Je ne sais pas ce que vous allez nous réserver ce soir. Vous voulez vraiment la preuve ? Ben oui, je veux la preuve. Bon, allez. Oh là là ! Oh là ! Permettez-moi d'abord de vous faire le baise-main, mais ça ne suffit pas parce que moi j'aime bien toucher la peau. Bravo. Myriam, vous avez vécu un traumatisme unique, j'ose le dire, dans l'histoire de Koh-Lanta. Voilà pourquoi ce soir, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes la première aventurière du Koh-Lanta 2010, vous êtes automatiquement sélectionnée. Ah merci, merci, vraiment, c'est la meilleure nouvelle que je pouvais entendre. Parce que vous n'avez pas eu le temps de vivre cette aventure, parce que vous êtes parti beaucoup trop vite, le destin, cette cheville qui se fracture, ce retour en avion, ces douleurs, ces difficultés dans votre appartement avec les étages à monter, avec la danse, cette passion que vous avez été obligé de mettre de côté, ce piano qui est revenu sur le devant de la scène. Hein, vous avez beaucoup joué du piano pour justement oublier ces tracas du quotidien. Eh bien, en 2010, vous êtes la première aventurière de Koh-Lanta. Alors, j'en profite pour vous annoncer l'ouverture, mais il n'y a pas de quoi, c'est tout à fait naturel. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer l'ouverture du casting pour la prochaine édition de ce Koh-Lanta. Si vous avez envie d'accompagner Myriam, si vous rêvez de vous retrouver à la place de Patrick, de Christina, si vous vous trouvez une âme d'aventurier née, comme par exemple Freddy, eh bien il est temps de poser votre candidature. Si comme eux vous rêvez de vivre une aventure unique qui restera à jamais gravée dans votre mémoire, si vous avez envie de participer au prochain Koh-Lanta tout simplement, vous pouvez vous inscrire pour participer au casting, soit par internet sur le site de TF1, tf1.fr, soit par téléphone pour récupérer le dossier au 32 80. Vous disposez d'un mois à partir de ce soir pour renvoyer votre dossier. Soyez précis et vous aurez peut-être la chance de vous retrouver ici en direct d'ici quelques mois pour le Koh-Lanta 2010 avec, quoi qu'il arrive, Myriam. Merci, j'y serai. Alors moi, vous le savez peut-être, je suis un amateur de statistiques. J'ai revu les 9 premières éditions et je constate que c'est la première fois, et oui, que l'on retrouve 3 femmes parmi les 4 finalistes. Patrick, j'ose vous le dire, vous êtes finalement le seul trublion là-dedans. Pêle-mêle, dans cette aventure, on retrouve des victoires de filles dans les épreuves, un pouvoir assumé par les femmes et une vraie solidarité féminine. Regardez. Isabelle, viens. Viens. J'ai trop envie que ça soit une fille qui gagne Koh-Lanta parce que pour prouver qu'on n'est pas des merdes. Voilà. Parole. L'alliance des filles. Les garçons ont pris conscience qu'ils sont que 3, que nous sommes 4 femmes. Et c'est non négociable. C'est eux qui sont sur la sélecte et pas nous les filles. On est des vraies aventurières. Même si on se retrouverait toutes les 3, on arriverait à s'autogérer, à même la pêche, je suis sûre. La victoire pour Christina, bravo! C'est bon, t'as gagné. La victoire.
victoire pour Christina, bravo! En ce moment, c'est la guerre des sexes parce qu'on est en supériorité numérique au niveau des femmes. Ils ont l'air d'avoir très peur quand même. Ils sont, on va dire, aux petits soins, quoi. Garçons, s'il vous plaît. Ils ont tellement peur, tes trois filles, se liguent contre eux. Là, ils peuvent demander ce qu'elles veulent des filles, je pense. Aller pêcher, aller au crabe. C'est sûr, on a l'impression d'avoir chacune sa revanche. On en profite. C'est la vengeance des trois drôles de dames de Koh-Lanta. La vengeance des trois drôles de dames de Koh-Lanta. Alors moi, je voudrais me tourner vers vous, Raphaël, maintenant, car j'ai lu une déclaration de vous et je cite « Nous, les femmes, on n'est pas venues pour faire la vaisselle ». Ça veut dire quoi ? Alors déjà, je tiens à préciser que c'est quelque chose que j'ai dit, mais pas exactement comme ça, donc ça a été plus ou moins détourné. Non, mais je pense que c'est assez direct et ça a tout son sens, non ? Plus ou moins, mais c'est vrai que souvent, bon, les garçons ont tendance chaque année à nous cantonner un petit peu au rôle ménager, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on voulait prouver aussi cette année que les filles n'étaient pas là que pour faire tapisserie et qu'on pouvait aussi remporter de belles victoires. Fabienne, est-ce que depuis le départ, vous vous êtes dit « il faut qu'on puisse se réunir avec les femmes, qu'on fasse corps tout ensemble pour neutraliser les hommes et essayer d'aller le plus possible à la réunification et ensuite en finale ?» Eh ben non, désolé. Ah bon ? Ah ben moi je pensais que vous étiez à fond avec les femmes, notamment sur la fin de cette aventure. Sur la fin, oui, mais pas au début. Isabelle ? Alors ? Est-ce que vous, dès le départ, vous êtes dit « il faut qu'on puisse faire une alliance de femmes », même si vous étiez très liée à Patrick, et on le verra tout à l'heure. C'est venu naturellement, mais c'est vrai qu'on a bien rigolé avec Fabienne, Christina, parce qu'on en a un petit peu abusé. Mais ce fut un bon moment. On les a vus, hein. Ekader et Patrick, ils ont souffert pendant quelques heures hein, et ils ont fait ce que l'on appelle vulgairement les tâches ménagères. Alors pour l'issue en tout cas, c'est du 50-50 puisque sur cette finale, sur ce dernier vote de tout à l'heure, eh bien nous avons un homme et une femme, Patrick contre Christina. Je voudrais maintenant qu'on revienne à un événement important qui vous a marqué, vous téléspectateurs, c'était lors du 11e épisode, notamment lors de l'épreuve d'immunité. Il y avait eu également le jeu de confort précédent où on avait déjà senti qu'il y avait beaucoup de tension. Patrick, à ce moment-là, c'est Rodolphe qui était l'homme à abattre. C'était lui qu'il fallait absolument neutraliser. À ce moment-là, oui, c'était Rodolphe qui devait partir. Après cette épreuve, vous voulez qu'on en parle ? Ouais, bah bien sûr. Si vous voulez, Patrick. Non, ouais, y a pas de souci. Moi, j'ai toujours vécu Koh-Lanta, toutes les épreuves pour un jeu. Tout ce que j'ai fait, je pouvais perdre à tout moment, comme le pont de singe, ouais. Ça, etc. Après, je sais que par la suite, que j'ai blessé Rodolphe, ça c'est clair. Mais après, pour moi, ça reste un jeu, donc voilà. Ça reste un jeu. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours blessé, en colère de ce qui s'est passé ? On rappelle rapidement, vous étiez bien parti pour remporter cette épreuve d'immunité et il y a eu une coalition Patrick-Isabelle qui a entraîné votre perte et votre chute sur cette épreuve, comme précédemment dans le jeu de confort ? Au jour d'aujourd'hui, c'est passé, le temps a passé, donc je relativise et je me dis que c'était qu'un jeu après tout. Sur le moment, c'est sûr, j'étais blessé, et je leur en ai voulu d'ailleurs, mais bon, Mais vous le comprenez, normal. Patrick, puisque même à un moment, je me souviens, vous m'avez dit, j'aurais dû être stratège comme lui beaucoup plus tôt. Sur le moment, non, je ne comprenais pas, parce que j'avais l'impression d'avoir été volé d'une victoire. Mais au jour d'aujourd'hui, bien sûr, le temps a passé, et puis en plus, ça reste un jeu, donc je comprends très bien qu'il ait voulu aller jusqu'au bout, à tout prix. Bon, mais voilà, ça reste quand même un jeu, donc il n'y a pas de souci, l'épreuve est passée, et on n'en parle plus. Patrick, si c'était à refaire, est-ce que sur cette épreuve en particulier, vous placeriez ce bambou à l'encontre de celui de Rodolphe, si c'était à refaire, franchement. Je sais pas. Je vais le dire, y a pas de souci. Répondez avec votre cœur, franchement, Patrick. J'ai pas compris, à vrai dire, le début de la question. Denis, j'ai pas compris au début, vu qu'il y avait ça applaudissait. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous feriez exactement pareil ? Vous adopteriez la même tactique ? Non, je pense pas. Mais j'ai blessé Rodolphe, c'est clair, mais pour moi, j'ai blessé aussi Isabelle. Ouais. Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à Rodolphe ? Parce que je sais que c'est aussi un moment particulier, un moment que vous avez vécu devant votre télévision avec pas mal de difficultés. Oui, tout à fait. C'est vrai que lors de cette épreuve,
Je me suis battue, je me suis acharnée. Et en fait, quand je me suis vue devant mon écran, c'est vrai que, bon, on voit que j'aurais pu, en effet, le laisser prendre l'anneau et gagner cette victoire. Mais à vrai dire, j'avais tellement envie de gagner aussi parce que je voulais à tout prix remporter une épreuve d'immunité. Mais rien n'empêche que Rodolphe, c'est notre Georges Clounet, que c'est vraiment une personne qui a été... Oh, bah c'est bon tout ça. Donc, voilà. Vous allez faire pas mal de jalouses, ma chère Isabelle, avec cette petite bise. Allez, Georges Clounet, encore un petit mot. Le but, c'était pas de me laisser gagner, c'était de ne pas m'empêcher de gagner. Bon, là, le problème est que... Il n'a pas complètement oublié, vous avez vu, hein. Il revient sur l'affaire. Non, mais bon, on en parle simplement. Ouais. Donc voilà, le problème est que on n'en parle plus, tout va bien, il n'y a pas de malaise. Toi non plus, tu n'as pas gagné, c'est vrai. Bon, c'est, vrai. C'est Patrick qui a gagné. Je ne sais pas si c'est lui qui le mérite à ce moment-là, mais en tout cas, on ne refera jamais l'histoire. Ouais. Et c'est bien que ça se termine comme ça. La finale de Koh-Lanta, ça sert aussi à aplanir les différends. Alors Patrick, on ne cesse de le répéter, vous êtes le stratège en chef et vous auriez pu donner des cours de stratégie à un certain Freddy. Vous, l'aventurier accompli, ingénieux sur le camp, performant dans les épreuves. Est-ce que vous regrettez un petit peu ce soir de ne pas avoir été plus joueur ? Un micro, voilà. D'avoir été plus joueur, non, d'avoir fait les mauvaises alliances, oui, clairement. Quelque part, c'est être un peu de ce côté-là. Non, être à l'origine joueur. D'une alliance ou la suivre, c'est complètement différent. Ouais. On m'a proposé au moment, juste avant que je sois éliminé, les rouges m'ont proposé de m'allier à eux. J'ai refusé parce que chez les jaunes, je m'y sentais bien, j'y étais épanoui. J'avais trouvé en la compagnie de Rodolphe, de Fabienne, de Pascal, voilà, des gens et de Louis Laurent, je l'oubliais, voilà, des personnes formidables. J'ai pas osé les trahir, j'ai pas osé me retourner contre eux. Mais vous comprenez Patrick ? Vous comprenez sa situation et sa stratégie ? Ah oui, Patrick, dès le début du jeu, dès le début de l'aventure, il a considéré Koh-Lanta que comme un jeu. Il a oublié le côté survie, il a oublié tout le reste. Ouais, c'est comme si on faisait une partie d'un jeu d'échecs et qu'on avait le droit en cachette d'avancer des pions, de modifier les pions des autres. Et ben voilà, Patrick ne s'est pas gêné. Et je pense que là-dessus, il a été droit, il a suivi sa ligne de conduite, en tout cas du début jusqu'à la fin de l'aventure. Ah, c'est sûr qu'il avait annoncé la couleur dès le départ. Kaouter, il vous a impressionné, Freddy, dans cette aventure, par ses compétences multiples et variées, notamment dans le sauvetage en mer, si je veux revenir là tout de suite. C'est vrai qu'il m'a sauvé la vie dans l'eau. J'étais à deux doigts de couler, Denis, c'était grave quand même. Mais non, mais heureusement qu'il était là, parce que c'est vrai qu'il m'a soutenu et je suis contente d'avoir fait cette rencontre et je suis contente qu'il soit revenu dans l'équipe des jaunes. Et voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fort. Et pour moi, c'est le meilleur candidat et aventurier de tous les Koh-Lanta réunis. Il va rougir. Mais promis, si vous avez encore un petit problème dans l'eau, il va venir vous secourir à nouveau. Qu'il enlève la main. Louis Laurent, est-ce que vous partagez cette opinion décrite là par Kaouter concernant Freddy ? En toute sincérité, c'est une opinion que je partage et je rajouterais même que c'est l'adversaire rêvé parce que c'est quelqu'un qui sait faire naître un challenge et qui a été hyper important pour moi dans l'aventure. Alors, c'est sûr que Freddy a été un aventurier performant, mais vous le savez, les honneurs c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Vous avez été éliminé prématurément, vous n'êtes pas finaliste. J'ai face à moi les deux finalistes de cette aventure. Christina, vous allez me faire un sourire, Christina. Patrick, vous avez toujours le sourire, c'est le patte. Le moment tant attendu est arrivé. Je vais procéder au dépouillement du dernier conseil. À l'intérieur de cette urne, encore scellée, devant un huissier, c'était sur place à Palau, souvenez-vous, il y a 7 bulletins. Ceux des 7 membres du jury final que je vais vous présenter à nouveau. Il y avait Pascal, il y avait Louis-Laurent, Raphaël, Rodolphe, Kader, Fabienne et Isabelle. Ce sont eux qui ont voté soit pour Christina, soit pour Patrick. Alors comme le jury, vous en êtes rendu compte, est impair, il est impossible que nous ayons une égalité. En jeu, le titre tant convoité d'ultime survivant, mais aussi la récompense. Christina, Patrick, les 100 000 euros promis au vainqueur. Le suspense a assez duré, je décèle tout de suite l'urne. Il a même pas dit pourquoi.
l'heure est grave. Je sens la respiration qui se raccourcit, qui s'accélère, le cœur qui bat. Je le sais, Christina, Patrick. C'est un moment extrêmement solennel. 7 bulletins. Et dans quelques instants, on connaîtra. Mesdames, messieurs, vous êtes bien dissipés. Bah alors, Fabienne et Rodolphe. Voici le premier bulletin. Christina. Denis, c'est le roi du suspense. Voici le deuxième. Et il est en votre faveur, Patrick. Quel hasard. Mais quelle surprise, Denis. Un partout. Quelle surprise. Voici le troisième. Christina. Deux votes en votre faveur, Christina. Un pour vous, Patrick. J'ai gagné, je suis là, Denis, c'est essentiel. Mais l'important, c'est aussi d'être peut-être l'ultime survivant, mon cher Patrick. Christina. Trois votes pour vous, Christina. Un pour vous, Patrick. Patrick. Merci, merci. Trois deux pour l'instant. Trois pour vous, Christina. Deux pour vous, Patrick. Il reste deux bulletins. Et cet avant-dernier bulletin peut être décisif. Soit il est pour vous, Christina, et vous remportez ce Koh-Lanta, vous repartez avec les 100 000 euros. Soit il est en votre faveur, Patrick, et à ce moment-là, on revient à égalité, et tout se jouera sur l'ultime bulletin, le dernier, qui est encore à l'intérieur de l'urne. L'heure est grave, instant solennel, 40 jours d'aventure, 40 jours de souffrance, de privation, 40 jours de dépaysement. Christina! La victoire pour Christina, sachant que le dernier bulletin est aussi pour Christina. Bravo à tous. Venez vers moi, Patrick. Oh, les larmes de Christina. Christina, un petit mot alors. Cette victoire, celle que vous étiez venue chercher. Merci à tous, très contente et c'est la plus belle des victoires et voilà, je suis très fière, j'espère que ma famille est très fière de moi. J'embrasse très fort ma soeur Nathalie, Marc et Luna qui n'ont pas pu être là ce soir. Je vous aime tous et merci beaucoup. Qu'est-ce merci. Que vous allez faire avec les 100 000 euros? Me faire plaisir, m'acheter une voiture en fait et ça sera utilisé intelligemment. Bravo Christina, un petit mot, Patrick, pas trop déçu? Non, pas trop déçu, pas du tout. Christina, c'est une fille superbe. C'est sur Christina ou Isabelle qui sont avec moi sur les photos, je suis content. Moi, j'ai fait mon Koh-Lanta, je suis ici, c'est l'essentiel. Après, l'argent, c'est l'argent. Je veux dire, dans la vie, j'ai pas attendu faire Koh-Lanta pour avancer dans la vie. Voilà. Bravo en tout cas pour votre performance. À toutes et à tous, c'est Franck, le chéri de Christina. Juste un petit mot pour vous rappeler l'appel à candidature. Vous avez à partir de ce soir un mois pour vous inscrire au casting du prochain Koh-Lanta, celui de 2010, où vous retrouverez, si vous êtes sélectionné, Myriam, qui, elle, quoi qu'il arrive, fera partie de cette aventure. Pour vous inscrire, pour récupérer un dossier, deux solutions, soit par téléphone au 32 80, soit par internet sur le site de TF1, tf1.fr. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui ont beaucoup travaillé, les équipes d'Adventure Line Production, les équipes de TF1. Et puis je voudrais terminer eh bien, en saluant l'arrivée dans ce bas monde de deux petites filles, Lila, la fille de Marion, notre skip, mais aussi Daria, la petite fille de mon assistante Kika. On vous embrasse très très fort. Très bonne fin de soirée sur TF1. Et bravo à tous. Bravo. Bravo à tous les aventuriers de Koh-Lanta. Ciao, ciao. Bravo.
Patrick, je vote pour toi ce soir. D'ailleurs, j'aurais voté pour toi même s'il y avait eu n'importe qui en face de toi. J'ai passé de très bons moments avec toi. Je te considère comme un très bon pote, le meilleur de Koh-Lanta. Patrick, je vote pour toi. Tu le mérites. Tu as été mon seul ami ici dans cette aventure. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Pour les départager, je me fie uniquement à un critère de sportivité. Et sur ce jeu, je pense que Christina a gagné beaucoup plus d'épreuves que Patrick. Donc je vote pour elle. Je vote pour Christina pour sa belle série de victoires sur cette épreuve. Je crois qu'elle a bien mérité. Je vote pour Christina car à défaut d'avoir mieux, je dois lui reconnaître ses victoires, sa détermination. Et je pense qu'entre les deux finalistes, c'est elle qui se rapproche le plus de ce que j'entends paraître l'aventurier de Koh-Lanta. Christina, je vote pour toi car je pense que tu as très bien mené ta barque dans cette aventure. Aventure que tu auras ponctuée de nombreuses victoires. Christina, tu es pour moi l'aventurière Koh-Lanta 2009. Tu t'es alliée aux bonnes personnes au bon moment pour arriver au bout et tu as eu raison. C'est pas pour ça que tu es stratège. Tu es une fille droite et honnête et je suis vraiment contente pour toi. J'espère que tu vas gagner.